voir. Alléluia. Tourne ton regard de miséricorde, Seigneur, sur ton église et pardonne encore ce soir. Pardonne, ô Dieu de gloire. Alléluia. Bien-aimés, c'est vrai, nous demandons pardon pour nos péchés. Mais la Bible déclare encore dans le livre de Proverbes 21:4 que l'homme pense souvent que ses voies sont justes devant l'Éternel. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui pèse les cœurs. Que ce soir, que le Seigneur pèse nos cœurs. Que le Seigneur... De Heere onze harten bekijkt. Que le Seigneur pèse encore le cœur de son Église et le fond nos voix, bien-aimés. Prions l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, me voici encore devant toi. C'est vrai que, Seigneur, je pense des fois que, mon Dieu, j'ai demandé pardon pour mes péchés et que je pense que la façon d'agir ou bien la façon de faire ou bien, Seigneur, mon Dieu, ma façon de réagir a été juste devant toi. Mais Seigneur, ô Dieu de gloire, c'est toi qui pèses les cœurs. Ô Dieu de gloire, c'est toi qui convainc des péchés, ô Dieu de gloire. Pour toutes ces choses que moi je dis, bon Seigneur, pardonne-moi. Pèse mon corps, mon cœur ce soir. Pèse, Seigneur, le cœur de ton église. Pèse, Seigneur, le cœur de tes enfants encore ce soir, parce que, ô Dieu de gloire, nous voulons être, Seigneur, juste devant toi, parce que toi qui nous as appelés, tu es juste et saint, et tu veux que tous ceux qui s'approchent de toi puissent être aussi comme toi, ô Dieu de gloire, parce que nous sommes tes enfants, parce que nous sommes tes enfants, papa. Alléluia, alléluia, alléluia. O roko baba baba baba, o roko baba baba baba, et yondo roko baba baba, pèse ton Église, Seigneur, pèse mon cœur, Seigneur, pèse mon cœur, je t'en supplie, ô Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Nous voulons encore élever nos voix, demander pardon pour nos maisons, pour nos familles. Alléluia. Peut-être que tu es là ici. Ton mari ou ta femme, tes enfants sont restés à la maison. Intercède pour eux. Demande encore. Pleit voor hun en vraag la grâce de Dieu, voor de genade que la van God du Seigneur descende, dat de barmhartigheid op hun kan lusten. Et prie le dernier notre Dieu. Oh, Rika Baba. Et Yondoroko Baba Baba. Et Yondoroko Baba Baba Sikereke Baba. Et Yondoroko Baba Sikereke Baba. Je viens intercéder pour mon mari éternel. Je viens intercéder pour ma mère, oh Dieu de gloire. Je viens intercéder pour mes frères et sœurs. Pour Seigneur, pour toute ma famille, oh Dieu de gloire. Et tant ta main de miséricorde. Ce soir, alors que je suis là, je veux, Seigneur mon Dieu, te présenter ma maison. Je veux te présenter tous ceux que toi tu m'as donné sur cette terre, ma famille, ô Dieu de gloire, c'est toi qui l'as choisi pour moi. Je te l'emmène, ô Dieu de gloire, que tu puisses encore pardonner ce soir. Alléluia. Oh, Rika Baba, et Yondoroko Baba Baba Baba, et Rika Baba, Sekereke Baba. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu écoutes encore nos prières ce soir et que tu nous pardonnes. Bien-aimés, nous continuons à prier. Geliefde, we gaan blijven bidden. La Bible déclare encore que de Bijbel verklaart nog eens, si le sang n'est pas versé, als het bloed niet il n'y a pas de pardon, bien-aimés. Dan is er geen vergeving. Nous voulons réclamer le sang de Jésus. We gaan vragen voor de bloed van le Jesus sang qui Christus. Crie plus fort que le sang d'Abel. Le, bloed dat veel le sang de la nouvelle alliance. De bloed van de nieuwe verbond. Élève ta voix et réclame le sang de Jésus. Verhef je stem en vraag Alleluia. Om de bloed van Jezus. Élève ta voix, bien-aimé. Verhef je stem, geliefde. Sans le sang de Jésus, zonder de bloed van il n'y a Jezus, point de rémission des péchés. Is er geen sans le sang de l'agneau, zonde, il n'y a point de rémission des péchés. Élève ta voix et réclame le sang de Jésus. Verhef je stem en vraag om de bloed van Jezus. Baba. Et yondoroko baba 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 sekendere ke bébé. Et yondoroko baba baba. Je réclame le sang de Jésus, le sang versé à la croix de Golgotha, le sang de l'agneau, le sang, Seigneur, qui crie plus fort que le sang d'Abel. Me purifier mon corps, mon âme et mon esprit. Seigneur mon Dieu, ma conscience, ma subconscience, mon inconscient profond. Seigneur, je bois le sang, je bois le sang. Que le sang ramène la vie là où est-ce que le péché avait amené la mort. Seigneur, je bois le sang de l'agneau sur chaque membre de ma famille. Seigneur, le sang de Jésus dans ton église. Le sang de Jésus-Christ dans ma maison, sous mon mari. Le sang de Jésus, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions être Dieu de gloire, saint devant toi, comme toi notre Seigneur. Alléluia. Ton amour, ta puissance. Alléluia. Alléluia. Hallelujah.
je veux t'adorer. De tout le monde, toute mon âme. Je veux t'adorer. De toute ma foi, toute ma foi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, tu es présent. Tu es présent. Oh, tu es présent. Tu es présent. Ah oui, tu m'as sauvé. Ah, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Alléluia. Adore le Seigneur, ô Dieu de gloire. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, celui qui nous a gardés, celui qui nous a donné la vie en ce jour, celui qui nous a donné la force, bien-aimé. Il a bien voulu que nous puissions être en ce lieu. Élève ta voix et sois reconnaissant encore. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour la santé. Sont morts, combien sont dans des endroits qui ne t'honorent point, mais à nous tu nous donnes cette grâce d'être dans ta maison, éternel gardien de mon âme. Seigneur, sans toi, Seigneur, je suis perdu. Sans toi, ma vie n'a point de sens. Sans toi, je ne peux pas me tenir en ce lieu. Sans toi, je ne peux pas, Seigneur, quitter Haute-Alon jusqu'ici, Seigneur, sans, Seigneur, accident. Tu es celui qui me garde, tu es celui qui protège mon départ et mon arrivée, tu es celui qui m'aime. Tu es celui qui relève ma tête. Tu es celui qui essuie mes larmes. Tu es celui qui m'aime. Tu es celui qui me comprend. Tu es celui qui me soutient. Tu es celui qui m'éduque. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui est tout pour moi. Tu es mon Père, ô Dieu de gloire. Tu es, Seigneur, ma force. Tu es ma joie. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous en ce lieu. Tu es tout pour nous dans cette église. Seigneur, c'est pourquoi nous élevons nos voix et nous voulons t'adorer. Oh, Rika Baba Baba. Eh, Yondo Roko Baba Baba Baba. Eh, Yondo Roko Baba Baba Baba. Oh, Roko Baba Baba Baba. Alléluia. Alléluia. Oh, Rika Baba Baba. Eh, Sokondo Roko Baba Baba. Eh, Yondo Roko Baba Baba. Eh, Rika Baba Baba. Eh, Yondo Roko Baba. Erika Baba Baba. Alléluia. Alléluia. Nous sommes encore dans nos 3 semaines de jeûne et de prière. Nous sommes dans nos 3 week of fasting and prayer. Le thème de notre séminaire, c'est. And the theme of our seminar is. C'est que ton Dieu ordonne. Uw God que tu sois puissant. Opdat je machtig bent. Et pour être puissant, nous a prêché que. En om de machtig on devait te zijn, être mature dat wij dans la louange et l'action de grâce. In het lofprijs en onze dankzegging. Et demande au Seigneur de te rendre mature. Verhef uw stem en demande vraag au Seigneur de Heere, que tu puisses être cette personne-là qui peut donner, qui peut faire des actions de grâce. Vraag aan de Heer opdat je die persoon kan worden, opdat je dankzegging kunt geven wanneer alles slecht gaat. Cette personne-là qui donne des louanges. Dat je deze persoon kan zijn. Mal. Opdat lofprijs gaat doen. Et demande cette maturité au Seigneur. Oh, Rika Baba Baba. Eh, Yondo Roko Baba Baba. Eh, Yondo Roko Baba Baba. Sokondo Roko Baba Baba. Eh, Yondo Roko Baba Baba. Sokondo Roko Baba Baba. Eh, Yondo Roko Baba Baba. Sekendere Kebe. Seigneur mon Dieu, je veux être mature. Seigneur, mature, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, dans ma marche avec toi, je veux être mature dans mon service. Je veux être mature dans mon caractère. Je veux être mature dans toutes choses, dans ma maison. Seigneur, que je puisse être cette femme qui fléchit les genoux, qui
adore, Seigneur, qui donne des actions de grâce. Mon Dieu, quand tout va bien et quand tout va mal, Seigneur, mon Dieu, que je puisse élever ma voix, Seigneur, en toutes circonstances. Oh Dieu de gloire, j'ai besoin de cette maturité. Seigneur, mon Dieu, quand je serai mature, à ce moment-là, tu feras de moi une femme puissante. L'église de Celte a besoin d'être mature. En cet instant-là, Seigneur, mon Dieu, nous pourrons, Seigneur, mon Dieu, être une église puissante. Seigneur, Dieu de gloire, agis. Seigneur, agis au milieu de nous. Oh, roko bababa, eh, yondo roko bababa, eh, yondo roko bababa, eh, rika bababa, sokondo roko bababa, eh, yondo roko bababa, eh, yondo roko bababa, sekerekeba. Seigneur, rends-nous matures, Seigneur, pour ta gloire. Oh, Dieu de gloire, alléluia, alléluia. Tu vas t'abandonner maintenant entre les mains du Seigneur. Tu vas t'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Tu veux dire au Seigneur, je veux m'attacher à toi. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je veux être collé à toi, Seigneur. Élève ta voix et remets ta vie entière entre les mains du Seigneur. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître intimement. Je ne veux pas, Seigneur, rester, Seigneur, superficiel avec toi. Mais je veux aller encore plus loin, Seigneur, mon Dieu. Oh, roko bababa, oh, rika bababa, sekenderekebe. Seigneur, aide-moi à m'attacher à toi. Je désire m'attacher à toi. Je désire être près de toi, éternel. Je désire, oh, roko bababa, baba. Eh, yondo roko ba, sekenderekebaba. Eh, yondo roko bababa, eh, rika bababa. Seigneur Dieu de gloire, agis encore. Erika bababa, eyondo rokoba sekereke bebe, eyondo rokoba sekerika bababa, eyondo rokoba bobo, rika bababa baba, esokorika bababa baba, oreke bababa, eyondo rokoba baba, orokoba sekendereke bebe, erika baba sokorokoba baba, eyondo rokoba sekereke bebe. Rika baba, eh rika baba, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons grandir, nous voulons grandir, nous voulons, Seigneur, nous attacher à toi. Seigneur, nous attacher à toi, que nous pourrons, Seigneur, aller plus loin avec toi, que nous pourrons faire des grandes choses avec toi, que nous pourrions, Seigneur, te servir, Seigneur, comme il se doit, que nous pourrons être des témoignages vivants. Oh Dieu de gloire, alléluia, alléluia, eh rika baba. Oh roko baba, yekereke baba, eh sokondo roko baba, oh roko baba baba baba, eh yondo roko baba, eh sikondo roko bobo bobo bobo, eh rika baba baba baba, yekereke bebebe, oh rika baba baba, alléluia, 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 Dieu des esprits, des prophètes, alléluia, oh rika baba sokondo roko baba, oh roko baba baba.
Alléluia, pour avoir la capacité d'accomplir. Om de capacité te Alléluia, hebben, d'avoir la puissance. Om Gods macht te hebben. Nous avons besoin du Saint-Esprit. We hebben de Heilige Geest nodig. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir l'autorité. We hebben de Heilige Geest nodig om autoriteit te hebben. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aller de l'avant. We hebben de Heilige Geest nodig om vooruit te gaan. Du Saint-Esprit pour avoir l'autorité, la renommée. Alléluia. Voor de autoriteit. Élève ta voix bien-aimée. Réclame le Saint-Esprit. Alléluia. Morika baba baba ba. Eyondoroko baba baba ba. Eyondoroko ba. Seigneur, tu as dit dans le temps, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Que tu enverras, Seigneur mon Dieu. Alléluia, ton esprit, Seigneur. Les vieillards auront des songes et les jeunes gens prophétiseront. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, ce soir, nous réclamons encore le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être puissants. Nous avons besoin du Saint-Esprit, ô Dieu de gloire, pour avoir, Seigneur, cette puissance. Ô Dieu de gloire, j'ai besoin du Saint-Esprit pour être, Seigneur mon Dieu, pour entrer, Seigneur, dans cette puissance que toi tu m'as promis. Ô Seigneur mon Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit pour saisir ce que toi tu as préparé pour moi. J'ai besoin du Saint-Esprit. Oh Rika Bababa. Eh Yondorokoba. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Oh Rika Bababa. Eh Yondorokoba Baba. Saint-Esprit, règne. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens, j'ai besoin de toi pour être une femme, Seigneur, puissante. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour que ma renommée aille de l'avant. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour être, Seigneur mon Dieu, avoir l'autorité. J'ai besoin de toi pour être puissante dans chaque domaine de ma vie, dans mon travail, dans mon business. J'ai besoin de Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour servir dans ta maison. Oh, Rika Bababa. Eh yondoroko bababa, eh yondoroko bababa, eh rika bababa, Saint-Esprit de Dieu, oh rika bababa, eh yondoroko bababa, oh yondoroko bababa, eh yondoroko bababa, eh rika baba, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, remplis ton église, remplis ce lieu de ta sainte présence, remplis, touche nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, oh Rika Baba, eh Yondoroko 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 Baba, eh Roko Baba. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je t'appelle, Saint-Esprit, je t'appelle, souffle en ce lieu, souffle dans ma vie. Souffle dans ton église, souffle au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Erika Bababa, Eyondoroko Bababa, Eyondoroko Bababa, Erika Bababa Bababa, Eyondoroko Bababa Bababa, Erika Bababa Bababa Bababa, Eyondoroko Bababa Bababa, Erika Bababa Bababa Bababa, Oh Yondoroko Bababa Bababa. Eh roko baba 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 sekerekeba. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit, fais ton travail. Nous t'attendons encore. Nous avons besoin de toi. Nous savons que tu es là, que tu écoutes nos prières, que tu agis encore. Eh rika baba baba. Eh roko baba baba. Oh roko baba 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 baba. Que des esprits des prophètes. Des esprits des prophètes.
baba baba. E yondoroko baba baba. Erika baba baba baba. E yondoroko baba baba. Eroko baba baba baba. Erika baba baba baba. E yondoroko baba baba baba. Erika baba baba baba. Saint Esprit, Saint Esprit. Oh rika baba baba. E yondoroko baba baba baba. E yondoroko baba baba. E yondoroko baba baba baba. E yondoroko baba baba. Je m'attends à être puissante après ces 3 semaines de prière. Aller encore plus haut avec toi. Ne pas rester au même milieu, au même niveau. Alléluia. Oh roko baba baba baba. Le Dieu qui était puissant avec Moïse, c'est ce Dieu auquel je m'attends encore ce soir. Le Dieu qui a été puissant avec Élie, c'est à ce Dieu-là que je m'attends encore ce soir. Et oh Seigneur mon Dieu, je m'attends à ta présence. Je m'attends Seigneur que tu puisses faire de moi une femme puissante. Oh roko baba baba. Et yondo roko baba. Et yondo roko baba. Alléluia. Alléluia. Erika baba baba. Alléluia. Bien-aimé. Geliefde. Nous sommes venus chercher le Seigneur. We zijn gekomen op zoek te gaan naar God. Si nous avons jeûné, nous avons quitté nos maisons. Als we gevast hebben en onze huizen verlaten hebben. Ce n'est pas pour rester tranquille devant Dieu. Het is niet om rustig te blijven voor God. Mais c'est vraiment pour chercher sa face. Maar het is echt om zijn aangezicht te zoeken. Dis, Seigneur, je ne veux pas quitter ce lieu sans voir ta gloire. Bid tot de Heer dat je deze plek niet wilt verlaten zonder dat je uw glorie pour gezien toucher hebt. Ma vie. Ik wacht totdat u eer daalt, opdat je mijn leven kan pour raken. Toucher mon église. Ik wacht opdat je jouw eer laat dagen, opdat je mijn kerk kan raken. Ma maison. Opdat je mijn huis kan j'attends raken. Que ta gloire descende. Ik wacht totdat u eer daalt, opdat je mijn broeders en zussen raakt. Je ne peux pas sortir car que je suis venu. Ik kan niet uit deze plaats komen zonder dat ik uw glorie gezien heb. Hey, yondoroko baba baba baba. Erika baba 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 baba. Je refuse de rentrer tel que je suis venu. Je refuse de rentrer tel que je suis venu. Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Oh Dieu de gloire. Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Elia, je suis venu chercher ta gloire. Alléluia. Seigneur, je t'ai vu dans les temps passés dans ma vie. Mais aujourd'hui, je veux encore plus que jamais voir ta main dans ma vie. Alléluia. Je ne quitterai pas ta présence, oh Dieu. Oh, Rika, baba, baba. Seigneur, envoie ta parole. Envoie, Seigneur, oh Dieu de gloire. Oh, ta gloire en ce lieu. Oh, Rika, baba, baba, baba. Oh, Roko, baba, baba. Nous n'avons pas mis ce temps en vain. Nous avons mis ce temps, Seigneur, de côté parce que nous savons que nous avons un Dieu vivant, que nous avons un Dieu tout-puissant, que nous avons un Dieu fidèle à sa parole, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Seigneur, nous nous attendons à toi. Oh Seigneur, nous attendons ta gloire. Seigneur, nous attendons ta gloire. Seigneur, nous attendons ta gloire. Éternel, nous attendons ta gloire. Erika baba baba, Erika baba Elia, Erika baba baba, Erika baba baba baba, Eyondoroko baba. Nous attendons ta gloire, Seigneur. Erika baba baba. J'attendrai jusqu'à
ce que ta gloire descende dans ma vie. Éternel, j'attendrai que ta gloire descende dans ma vie. Éternel, montre-toi tel que tu es dans ma vie. Éternel, dans le temps passé, je t'ai vu à chaque étape de ma vie. Maintenant là, Seigneur, j'attends à être puissante. Je m'attends à être puissante, oh Dieu de gloire. Éternel, montre-toi dans ma vie. Éternel, Dieu de gloire, oh Rika Bababa. Erika Bababa, Sekereke Bababa. Oh Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi, oh Dieu de gloire. Oh Rika Bababa, Sekereke Bababa. Et Yodoroko Bababa. Oh Éternel, montre-toi. Éternel, montre-toi. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Elia, j'attendrai. Je ne me fatiguerai pas, j'attendrai. J'attendrai que ta gloire descende. J'attendrai, Seigneur, oh Dieu de gloire, là ce que tu m'as mis, Seigneur, à mon poste. Est-ce que tu peux élever simplement ta voix et commencer à louer le Seigneur? J'attendrai ta gloire, papa, j'attendrai. Commence à louer simplement le Seigneur. Tu es digne de louange, ô Seigneur. Tu es digne d'adoration, ô notre Dieu. Ce soir encore, alléluia, nous nous prosternons simplement devant ton trône. Devant ton trône de louange, devant ton trône d'adoration. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, tu nous ordonnes à être puissants, ô notre roi. Que ce matin, ce soir, ô notre Dieu. Marabo sandere mama saiko robosa. Marabo sandere basta marabose. Maikarabo sandere kamamasa. Seigneur, nous voulons voir le ciel ouvert. Nous voulons, Seigneur, que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert, ô notre Dieu. Seigneur, que les chaînes ce soir soient brisées. Que les prisons ce soir soient brisées, Seigneur. Que les puissants des ténèbres soient mis en déroute, ô notre Dieu. Ce soir encore, ô Saint-Esprit de Dieu, que ta main soit à l'œuvre, Seigneur. Que le feu de ton esprit, Seigneur, descende dans ces lieux. Touche, Seigneur Dieu de gloire. Ramo Sendere Mamasa. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ta gloire descende dans ces lieux. Rebostama Rabosa. Maikere Babo Sendere Mastama Rabose. Alléluia. Nous voulons que la gloire de Dieu descende encore en ces lieux. Que la gloire de l'Éternel descende dans ces lieux. Que la gloire de Dieu descende dans ces lieux. Alléluia. Que la gloire de Dieu descende dans ces lieux. Que les chaînes soient brisées ce soir. Que la puissance de la délivrance se manifeste. Parce qu'il nous dit que nous voulons. Alléluia. Il veut que nous puissions être puissants. Que ta gloire. Que ta gloire remplisse nous. Que la gloire d'en haut. Oh, remplisse le. Que la gloire de Dieu, alléluia. Que ta gloire remplisse nous.
Seigneur, dans ta présence. Seigneur, mon Dieu, remplis nos vies. Dans la nuée de la gloire, marche avec nous, Seigneur. Qu'en la présence du Saint-Esprit, ô notre Dieu, se manifeste dans nos vies, Seigneur. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, le feu de Dieu, la présence de Dieu, tu avais la volonté, mais Dieu veut te connecter. Dieu veut te donner la puissance nécessaire. Dieu veut te donner les capacités nécessaires. Il veut te donner l'autorité nécessaire. Alléluia. Rosta marabosé dere mama. Mare babosé. Maike reiba kantere basta marabosé doro basa. Mare bosta marabosé doro kamaike reiba ba. Mare basta marako reibo bosé reme. Alléluia. Maike reiba sa. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. La puissance de Dieu est là. La puissance de la restauration. La puissance de la victoire. Alléluia. Yes, Lord. Hallelujah. Mare basta marabosé. Mare bakante kere mamasa. Hallelujah. Hallelujah. Marabo sendere mama sikere mama sendere babo sendere basta marabo sendere kamara bo sendere basta marabo sendere kamara bo sendere
Tu es Dieu, Seigneur, alléluia. Maïke rebo sandere babo sikere mama sandere ba. Maïke rebo sandere. Change, Seigneur, les situations, Seigneur. Change les circonstances, ô notre Dieu. Que les chaînes soient brisées, Seigneur. Que les chaînes soient brisées, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Que le puissant des ténèbres, Seigneur, soit dans la confusion, ô notre Dieu. Alléluia. Hallelujah. We're in your presence, Lord. Let it rain. Rastamarabose. Nous voulons que le feu du Saint-Esprit, nous voulons que la pluie de Dieu tombe en ces lieux. Que la pluie de Dieu tombe en ces lieux. Nous avons maintenant plus que la nuée. Nous avons le Seigneur Jésus lui-même. Nous avons le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Rémastamarabose. Yes. Rémastamarabose. We're in your presence. Let it rain. Surrender to follow me, my God.
Let it rain, O Lord. Arabos in the river. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Open the heavens, Lord. Seigneur, que la pluie d'en haut, Seigneur, descend dans ces lieux, Père. Down in these places. Arriba Sanderica. Arriba Sanderica. Arriba Sanderica. Arriba Seigneur, je viens t'abandonner ton instrument, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur, dans son corps. In uw handen en versterk hem in zijn lichaam. Fortifie-le, Seigneur, mon Dieu, dans son âme. Versterk hem in zijn ziel. Dans son esprit. In zijn geest. Qu'il soit un instrument, Seigneur. Dat hij een instrument kan entre zijn. Entre tes mains, ô notre Dieu. In uw handen, onze God. Saint-Esprit de Dieu. Elke geest van God. Saisis-toi de lui, Seigneur. Grijp hem. Saisis-toi de lui. Dans ta présence. In uw aanwezigheid. Aucune chose ne peut demeurer constante. Kan geen enkele zaak hetzelfde blijven. Que ta main, Seigneur. Dat uw hand, Heere. Se repose sur lui. Op hem rust. Se repose sur lui. Se repose sur lui. Se repose sur lui. Seigneur, que les flèches de l'ennemi soient brisées ce soir. Dat de pijlen van de vijand verbroken worden deze avond. Que les flèches de l'ennemi, Seigneur, soient brisées ce soir contre de pijl van de vijand verbroken wordt deze avond. Nous avons reçu un esprit de force, ô notre Dieu. We hebben een kracht, een geest van kracht ontvangen. Que cette vie, Seigneur, puissante, ô notre roi. En dat deze machtige leven onze koning hem nog kan grijpen. Et qu'il soit totalement en dat hij restauré, volledig vernieuwd kan zijn. Merci pour ta parole. Dank u voor uw woord. Nous sommes dans la joie de la recevoir. We zijn in vreugde om dit te ontvangen. Parce qu'elle est pour nous source de vie et de victoire. Want het is voor ons een bron van leven en van overwinning. Ce soir, Seigneur. Deze avond, Heere. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes puissantes. Maak van ons machtige vrouwen en mannen. Car tel est ce que tu as commandé. Want dat is wat u ons beveeld hebt. Ordonné, wat u ons geboden hebt. Dans ta parole. In uw woord. Ton Dieu. Uw God. Ordonne. Beveelt u. Que tu sois puissant. Om machtig te zijn. Affermi, ô Dieu. L'ouvrage. Versterk. De nos mains, Seigneur. De werk van onze handen, geliefd, Heere. Au nom de Jésus-Christ. In de naam van Jezus Christus, Vader. Te prions, Seigneur, de tous. Hebben wij gebeden. Amen. Amen. Que la gloire soit à notre Dieu. De glorie behoort onze God toe. Halleluja. Nous avons ce soir encore. We hebben deze avond nog eens. La joie d'avoir parmi nous. De vreugde om in ons midden. Un enfant de la maison. Een kind van het huis te hebben. Halleluja. Amen. Un enfant de la maison. Een kind van het huis. Il ne vient pas très loin. Hij komt van niet zo ver. Juste dans notre voisinage. Hij komt van onze buurt. Il nous vient de la ville de Londen. Hij komt van de stad van Londen. Halleluja. Amen. Nous avons la joie d'avoir parmi nous le Pasteur Patrick Gayaka. We hebben de vreugde om in ons midden de pastoor Patrick Gayaka te hebben. Il était parmi nous le vendredi, un vendredi. Hij was met ons op een vrijdag. Et gloire à Dieu parce que waouh, le Seigneur nous a bousculé. Glorie aan God, want de Heer heeft ons een beweging gebracht. Il est venu seul. Hij is alleen gekomen. Comprenez son émotion. Begrijp zijn emotie. Alléluia. Amen. Mais maman pasteur est resté pour pouvoir prendre soin des enfants.
Maar de mama pastoor is thuis gebleven om zorg te dragen voor de kinderen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant Kunnen wij klappen voor de Heer terwijl les serviteurs de Dieu dienaar van God naar voren komt? N'oubliez pas qu'il a déjà écrit un livre. Vergeet niet dat hij al een boek geschreven heeft. Halleluja. Amen. Mais nous aurons le temps d'en parler, mais nous voulons d'abord le laisser. We gaan de tijd ervoor hebben om erover te spreken. De pouvoir, maar we willen hem de plaats apporter geven la parole de Dieu. Om het woord van God te brengen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bonsoir tout le monde. Goedenavond iedereen. Bonsoir tout le monde. Goedenavond iedereen. Comme dans nos bonnes habitudes. Zoals in onze goede gewoonten. Nous nous saluons réciproquement. We gaan ons elkaar groeten. En déclarant 25 fois Jésus est Seigneur. Door 25 keer te verklaren dat Jezus Christus Heer is. 25 fois Jésus est Seigneur. Jezus Christus is Heer. Alléluia. Une, deux, trois ensemble. Jésus est Seigneur. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Goedenavond iedereen. Merci Bishop, merci Dank u, Maman Jeanne, merci Jean. Église de Hasselt. Dank u, Kerk van Hasselt. C'est encore une joie de se retrouver ensemble. C'est une blijdschap om ons terug samen te Que le Seigneur en soit infiniment béni. En dat de Heer daarvoir rijkelijk gezegend is. Bonsoir béni. Goedenavond. Nous allons faire un travail ensemble. We gaan een goede werk samen doen. Que le Seigneur en soit béni. En dat de Heer daarvoor gezegend is. Sans plus tarder. Nous allons prendre, nous allons lire trois textes de la Bible. We gaan drie teksten van de Bijbel lezen. Trois textes de la Bible. Le premier texte, nous le trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 14. De eerste tekst bevindt zich in het boek van Matthäus, hoofdstuk 14. Matthieu 14, versets 12 à 17. Verset 12 tot met 17. 12 à 17. La Bible nous dit ceci, de Matthieu Bijbel 14, dit, 12 à 17. 12 tot en met 17. La Bible dit, les disciples de Jean vinrent prendre son corps. En de disciples van Johannes kwamen, namen het lichaam weg. Bon, ce n'est pas le bon texte, je vais vous le trouver. Dat is niet de juiste tekst, dus ik ga even zoeken. Passons directement... Je vais vous le trouver en deuxième, le Michée 5. Laten we naar Michée 5, verset 1 jusqu'au quatrième verset. Michée hoofdstuk 5, verset 1 tot en met 4. Michée 5, verset 1 tot en met 4. La Bible dit. De Bijbel zegt. Et toi, Bethléem. En u, Bethléem. Ephrata. Ephrata. Qui est petite parmi les villes. Al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. De Juda, de toi sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Zijn oorsprongen zijn van oudsher van eeuwige dagen af. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israëlites. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel. Hij zal staan en hen leiden in de kracht van de Heere. Avec la majesté du nom de l'Éternel. In de majesteit van de naam van de Heere zijn Gods. Ils auront une habitation assurée. Zij zullen veilig wonen. Car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Want nu zal hij groot zijn tot aan de einde van de aarde. Celui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays.
Hij zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen. Et qu'il pénétrera dans nos palais. En wanneer hij onze paleizen zal binnentreden. Nous enverrons contre lui sept bergers. Zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan? Et huit princes du peuple. En acht vorsten uit de mensen. Et le deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 4. En de tweede tekst is Matthäus hoofdstuk 4. Verset 12 à 17. Verset 12 tot en met 17. La Bible dit. De Bijbel zegt. Jésus ayant appris que Jean avait été livré. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, se retira dans la Galilée, keerde hij terug naar Galilea. Il quitta Nazareth, hij verliet Nazareth et vint demeurer à Capernaum, en ging wonen in Capernaum, situé près de la mer, dat aan de zee lag, dans le territoire des Zabulon, in het gebied van Zebulon et de Neftali, en Naftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd. Le peuple de Zabulon et de Neftali. Toen hij zei, land Zebulun en land Naphtali, de la contrée voisine de la mer, gebied aan de weg naar de zee, du pays au-delà du Jordan, en over de Jordaan, et de la Galilée de païens, Galilea van de volken, ce peuple assis dans les ténèbres, het volk dat in de duisternis zat, a vu une grande lumière, heeft een groot licht gezien, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, en voor hen die zaten in het land van de schaduw van de dood, levée. Is een licht opgegaan. De ce moment, vanaf Jésus toen, commença à prêcher, à dire, Jezus begon te prediken en repentez-vous, zei, car le royaume des cieux est proche. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nous prenons également des versets 23 et 25. We gaan ook versen 23 en versen Jésus 25 parcourait nemen. Toute la Galilée enseignant dans les synagogues. Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. En predikte het evangelie van het koninkrijk. Guérissant toute maladie. En genas elke ziekte. Et toute infirmité parmi le peuple. Kwaal onder het volk. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs. En zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. Des divers genres. Des démoniaques. En die door demonen bezeten waren. Des lunatiques. En maanzieken. Des paralytiques. En verlamden. Et il le guérissait. En hij genas hen. Une grande foule le suivit. Een grote menigte volgde de la Galilée, uit Galilea, de la Décapole, Décapolis, de Jérusalem, uit Jérusalem, de la Judée, en Judea, et d'au-delà du Jordan. En van over de Jordaan. Et le dernier texte, en de laatste tekst, c'est le psaume 68, is de psalme 68, le texte de référence de cette période de jeûne et prière. Referentietekst van deze periode van vast en gebed. Psaume chapitre 68, psalme hoofdstuk 68, le verset 28, verset 29, la Bible dit, de Bijbel zegt, laissons Benjamin le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Neptali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermi, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Uw God heeft uw kracht aangeboden. Versterkt u, ô God, wat u aan ons gedaan hebt. Père, je te bénis pour ta présence dans ta maison. Vader, ik dank u voor uw aanwezigheid merci, in uw huis. Merci, précieux Saint-Esprit. Dank u, Heilige Geest. Merci de nous donner une onction spéciale ce soir. Om een speciale zalving te geven deze avond. Télécharge ta pensée. Zet uw gedachten in onze gedachten. Télécharge en nous tes sentiments. Zet uw gevoelens in onze gevoelens. Télécharge en nous tes émotions. Zet uw emoties in onze ta emoties. Ta sagesse et ton intelligence. Uw wijsheid en uw inzicht. Au nom précieux de Jésus. In de machtige naam van Jezus. Amen. Hebben wij gebeden. Amen. Voilà, peuple de Dieu, les trois textes principaux. Dit zijn de drie basis qui vont nous aider pour ce soir. Zullen helpen deze avond. Et il y en a d'autres qui viendront au fur et à mesure. Er zullen ook andere komen naarmate de tijd vooruitgaat. Le psaume 68, le verset 29 particulièrement. De psalm 68, vers 29 in het bijzonder. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Zegt de Bijbel, uw God heeft uw kracht aan u geboden. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Uw God beveelt je om krachtig te zijn. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Uw God beveelt je om krachtig te zijn. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Uw God beveelt je om krachtig te zijn. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Uw God beveelt je om krachtig te Ce zijn. Ce n'est pas le pasteur. Dat is niet de pastoor. Ce n'est pas moi. Dat is niet ik dat het zeg. Ce n'est pas un responsable de ministère quelconque. Dat is ook geen verantwoordelijke van een bepaalde mais bediening. Mais c'est ton Dieu. Maar het is uw God. Ton créateur. Uw schepper. Qui ordonne. Die je beveelt. Que tu sois puissant. Opdat je machtig zijt. Je ne veux pas lire la version de la Septante. Ik ga de andere versie niet lezen. Maar
Si je m'en fais référence, maar als ik daar een referentie naar toe dans la version de la Septante, in die versie, le mot puissance qui est utilisé, het woord macht dat gebruikt wordt, le mot grec dynamis. Is het Griekse woord dynamis. Le mot grec dynamis, het Griekse woord dynamis, on le retrouve quand le Seigneur Jésus promettait à ses disciples avant de partir. Vinden we terug wanneer de Heer, voordat hij vertrok, disant, zijn discipelen achterliet. Vous recevrez une puissance, door te zeggen, jullie zullen een macht ontvangen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, de Heilige Geest dat over u zal rusten. Et vous serez mes témoins. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Vous recevrez une puissance, jullie zullen een macht ontvangen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, de Heilige Geest dat over u zal rusten. Et vous serez mes témoins. En jullie zullen mijn getuigen zijn. On ne peut parler de puissance sans le Saint-Esprit. We kunnen niet spreken over macht zonder de Heilige Geest. Dans le psaume 68 ici, in de psaume 68 hier, nous sommes dans l'Ancien Testament. Zijn we in het Oude Testament. Avant la venue de Christ, voordat Christus kwam. Avant la croix. Voor het kruis. Et l'Éternel ordonne, en de Heere beveelde, à quelqu'un d'être puissant. Aan iemand om krachtig te zijn. Maar, si on reste dans le texte, maar als we in de tekst blijven, on peut se poser la question de savoir, kunnen we onszelf de vraag stellen en weten, à qui l'Éternel s'adresse-t-il? Aan wie de Heere, tot wie de Heere zich richtte? À qui l'Éternel ordonne d'être puissant? Tot wie de Heere beveelde om krachtig te zijn. À qui l'Éternel se tourne pour dire toi, tu dois être puissant. Tot wie de Heere zich richtte om te zeggen jij moet krachtig zijn. La réponse nous la trouvons au verset 28. Het antwoord bevindt zich in verse 28. Il dit, là sont Benjamin. Hij zegt daar is Benjamin. Le plus jeune. De kleine. Qui domine sur eux. Die over hen heerste. Dans votre version, quand vous voyez Benjamin, wanneer jullie zien in jullie et versie, le verbe domine, Benjamin en le verbe est au singulier. Het werkwoord is in het klein, is enkelvoudig. Le verbe est au singulier. Het werkwoord is enkelvoudig. Donc, la personne qui doit dominer, de persoon die moet domineren, c'est Benjamin. Is Benjamin. Dès lors, la question de savoir, dus wat we moeten weten hier à qui is, Dieu ordonne d'être puissant, tot wie recht God op dat hij bezoekt wordt. En dat was aan Benjamin. Alleluia. Amen. À qui Dieu ordonne d'être puissant, aan wie, tot wie richtte God zich op dat hij krachtig werd, dat was aan tot Benjamin. Et on dit, Benjamin c'est le plus jeune. En we zeggen dat Benjamin de jongste was. Dieu ordonne à un plus jeune, God beveelt aan een jongere d'être puissant, om machtig te zijn. Le sous-titre de mon intervention de ce soir est le suivant. Deze avond en het volgende. Petit, klein, mais grand. Maar groot. Jeune, jong, mais puissant. Maar machtig. Petit, klein, mais grand. Maar groot. Jeune, jong, mais puissant. Maar machtig. Qui est Benjamin? Wie is Benjamin? Benjamin, c'était le plus jeune de 12 fils de Jacob. Benjamin was de jongste van de 12 zonen van Jacob. Jacob a eu Benjamin. Jacob had Benjamin avec Rachel. Met zijn vrouw Rachel. Vous pouvez trouver ça dans Genèse chapitre 35. Jullie kunnen dat terugvinden in Genesis hoofdstuk 35. Pour la petite histoire. Om een kleine verhaaltje te geven. Jacob aimait Rachel. Jacob hield van Rachel. Maar avant il se préparait pour épouser Rachel. En wanneer hij zich voorbereidde om met Rachel te huwen. On a fait un coup à Jacob. Hebben ze de Jacob een val pour gezet. Ne pas prendre Rachel en premier. Opdat hij Rachel niet met mais pour prendre d'abord la grande sœur qui était Léa. Trouwen, maar dat hij eerst met Léa zou qui était Léa. Met Léa. Jacob a travaillé pendant 7 ans. Jacob heeft gedurende 7 jaar avant de se marier. Voordat hij ging trouwen. Et le jour du mariage, en op de dag van zijn trouw. Il pensait épouser Rachel. Dacht hij dat hij ging trouwen met mais Rachel. Mais c'est Léa qui a été ramenée dans la chambre. Het is Léa die gebracht werd in zijn kamer. Et Jacob par la force de choses a consommé le mariage. En Jacob heeft dus het huwelijk geconsumeerd. Et quand il s'est réveillé le matin. En wanneer hij opstond in de ochtend. Il s'est rendu compte que c'était Léa au lieu de Rachel. Heeft hij gezien dat het Léa was in plaats mais van on Rachel. Ne pouvait plus changer les choses puisque le mariage était déjà consommé. Maar we konden de dingen niet meer veranderen. Want donc le monsieur a attendu 7 ans. Dus de man heeft 7 pour jaar tomber sur la mauvaise personne. Om op de slechte persoon te et son beau-père lui dirait.
En zijn schoonvader zegt si tu veux Rachel, als je met Rachel il faut que tu travailles encore 7 ans de plus pour l'avoir. Comme il aimait tellement Rachel, il travailla de nouveau 7 ans avant d'avoir Rachel. Donc ça fait un total de 14 ans déjà. Dus in totaal heeft hij 14 jaar gewerkt. Et quand il épouse Rachel, enkele tijd later, Rachel tombe enceinte. Wordt Rachel zwanger. Le premier fils que Rachel met au monde, de eerste zoon dat Rachel op aarde zet, Joseph. Is Joseph. Joseph qui fut premier ministre en Égypte. Joseph die de eerste minister was in Egypte. Et le dernier fils que Rachel donna à Jacob. En de laatste zoon dat Rachel gaf aan c'est Jacob. Benjamin. Was Benjamin. C'est Benjamin. Benjamin. Donc de 12 enfants de Jacob. Dus van de 12 kinderen van Jacob. Benjamin est le dernier. Benjamin is de laatste. Alors, si nous prenons 14 ans d'attente. Dus wanneer we kijken naar de 14 jaar van wachttijd. Il épouse Rachel. En nadien trouwde hij met Rachel. Il a Joseph. Hij heeft Joseph. Il a Benjamin. Hij heeft Benjamin. Nous pouvons estimer we kunnen schatten que c'était au-delà de 14 ans, probablement. Dat het meer dan 14 jaar il y a une différence probablement de 10 années dat er minstens entre l'âge de Joseph verschil is et l'âge de son frère Benjamin. Tussen Joseph's leeftijd en ook de leeftijd van Benjamin. Lorsque je lisais cette histoire et je méditais là-dessus, verhaal las en ik daarop mediteerde, c'est comme si le Seigneur me faisait comprendre ceci. Dus alsof de Heere mij liet begrijpen la nouvelle Jérusalem à Hasselt, dat het nieuwe Jeruzalem in Hasselt, vous êtes à votre 20e année, jullie zitten op jullie 20e jaar, à votre 20e année d'existence, 20 jaar van bestaan. C'est à la 20e année ou au-delà de 20 ans tussen 20 jaar que Benjamin est né. Dat Benjamin, que Benjamin le plus jeune est sorti. Dat Benjamin geboren is. Et on nous dit ceci de Benjamin, en we zeggen van Benjamin que lorsque il est né, dat wanneer hij geboren is, l'accouchement était tellement difficile, dat de bevalling zo moeilijk que was, sa maman Rachel, dat zijn moeder Rachel est morte à cause de ça. Daardoor gestorven is. Et avant de mourir, en voordat zij stierf, Rachel a appelé Benjamin Ben-Omi. Noemde Rachel Benjamin en disant Ben-Omi, c'est le fils de ma douleur. Door te zeggen dat dat de zoon le is van fils mijn de ma pijn, souffrance. De pijn, de zoon van mijn parce lijden. À cause de cet enfant, want door dat kind je suis en train de partir. Ben ik aan het vertrekken. Je suis en train de mourir à cause de cet enfant. Ben ik aan het sterven door dat kind. À cause de cet enfant, door dat kind, ma vie est en train de partir. Is mijn leven voorbij aan het gaan. Voyez-vous, ce jeune enfant, deze jonge kind, il est né au monde, hij wordt geboren, en tuant sa maman. Door zijn moeder il te vient doden. Au monde, hij komt in, op, en tuant sa op maman. Aarde, en hij vermoordt on dira, moeder. Benjamin ne l'a pas fait exprès. We gaan zeggen dat Benjamin dat niet op Benjamin n'a pas voulu heeft. Tuer sa maman. Benjamin heeft zijn moeder niet mais willen doden. Mais le fait est tel que, maar het feit is, en venant au monde, doordat hij op sa maman devait partir. Zijn moeder moest vertrekken. Il y a un choix qui devait être fait. Er moest een keuze gemaakt soit worden. La maman, of we moesten kiezen voor de moeder, of we moesten kiezen voor de kind. Mais la maman elle-même a préféré partir. Maar de moeder zelf parce heeft que la maman elle-même a dit om te vertrekken, want de moeder zelf heeft gezegd que cet enfant vous l'appellerez dat dit kind pour dire, je préfère que l'enfant vive. Om te zeggen van dat mais dit kind tout le temps de la vie de cet enfant leeft. Je lui donne le nom de Ben-Omi. Maar gedurende deze afin que l'on se rappelle kind, toujours, geef ik de c'est à cause de cet enfant que moi je suis parti. Terugdenken à cause de cet enfant que moi je suis morte. Door dit kind ben ik dood. Imaginez, bien-aimé. Stel je voor, geliefde. Tu es né, on te donne ce nom-là. Je bent geboren en we et quand tu commences à comprendre c'est quoi mon nom, en wanneer je begrijpt wat je naam is, c'est lui qui a tué sa maman. Degene die zijn moeder gedood heeft. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Is dit een zegen of een c'est lui qui a tué sa maman. Degene die mijn de moeder et heeft vermoord. Jacob, le papa, en Jacob, de vader, étant un homme spirituel, een spirituele man, il a changé le nom. Hij heeft een nom. Il dit non, non, on ne l'appellera pas Ben-Omi. We gaan hem niet Ben-Omi noemen, on l'appellera le fils de ma droite. Maar we gaan hem de le zoon fils de ma droite. Van mijn rechterzijde noemen. Le fils de ma droite. De zoon mon van mijn dernier, rechterzijde. Mijn la laatste, flèche dernière. Mijn laatste qui permettra vlees, que je puisse m'appuyer. Die gaat ervoor zorgen et que je dat puisse ik op triompher. Kan steunen, le fils de ma droite. Overwinning zal hebben. Le papa vient annuler la malédiction de qui était sur le nom attaché. De vloek au nom que van la maman voulait zoon lui donner. Dus hij gaf een nieuwe naam in de plaats van de le van fils zijn moeder. De ma droite.
de zoon Benjamin. Van mijn rechterzijde, Alleluia. Benjamin. Voyez-vous, dans la vie, il y a certaines personnes in het leven zijn er qui n'ont pas commencé la vie correctement. Die het leven nog niet correct dans zijn la gestart. Naissance, waarvan hun a été une source de conflits, de problèmes. Dans la naissance, c'était une naissance hypothéquée. Waardoor dans la naissance, c'était teinte de beaucoup de problèmes, een bron van heel veel de crisis, beaucoup de difficultés, een bron van heel veel et même des paroles mauvaises ont été prononcées. Slechte woorden werden uitgesproken. Mais quelle que soit la manière dont tu es né, quelle que soit la manière dont tu es venu dans ce monde, op welke manier je op deze la manière dont tu es venu n'est pas une fatalité. De manier waarop je bent gekomen, tôt ou tard, quelqu'un a la capacité de changer les choses. Quelqu'un peut changer la manière dont tu es venu au monde et tout ce qui s'attachait à toi. C'est un père, un Jacob. Alléluia, un Jacob. Et dans chaque maison que Dieu élève, il y a toujours un père, un Jacob, qui est là pour changer les noms des personnes. Qui est là pour changer les destinées de personnes. Ce n'est pas en vain que tu es venu à la Nouvelle Jérusalem, Marcel. Tu es venu malgré ton passé. Je ne sais pas combien d'années a duré ton passé. Mais à partir du moment où tu es venu à la Nouvelle Jérusalem, Marcel, un Jacob s'est levé, le père de la maison s'est levé, et à chaque fois il s'élève par la puissance de la parole, la puissance du ministère, pour changer ta destinée, pour changer ton nom, pour changer ton identité, pour changer ton parcours, pour changer ce qui était prévu pour toi. Toi qui devais être le fils de la douleur, la fille de la douleur, tu vas devenir le fils et la fille de la droite. Toi sur qui on... Oh, toi sur qui on ne pouvait plus, on ne pouvait op pas compter. Waar wij niet konden rekenen, tu pourras devenir une personne. Je kan een persoon worden, sur qui on pourra compter. Op wie wij kunnen rekenen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Benjamin tue sa maman malgré lui Benjamin à la naissance. Doodt zijn moeder en zijn bij zijn geboorte. Mais non. Nu. Le Benjamin ici. De Benjamin hier. Non seulement c'est le dernier, le cadet. Et c'est niet alleen maar de jongste. Il naît et sa maman meurt. Hij wordt geboren maar en hij, zijn moeder sterft. Maar we zeggen ook dat Benjamin est né à Ephrata. Maar we zeggen ook dat Benjamin geboren il is est né à Ephrata. En Ephrata is hij geboren. Ephrata, en Ephrata. C'est l'ancien nom de Bethléem. Is de oude naam van Bethléem. L'ancien nom de Bethléem. De oude naam van Bethléem. Bethléem signifie. Bethléem wil zeggen. La maison du pain. Het huis van la brood. Maison du pain. Het huis van brood. Ephrata signifie. En Ephrata wil zeggen. La fructueuse. De vruchtbare. La fructueuse. De vruchtbare. Celle qui donne beaucoup de fruits. Degene dat veel vruchten, fruit et heeft. Bethléem. En Bethléem. C'est la ville de la tribu de Juda. Is de stad van de stam van Judea. Et sur Bethléem. En op Bethléem. Il y a eu de prophétie qui a été lancée. Werd er een profetie uitgesproken sur Bethléem Ephrata. Over Bethléem Ephrata. C'est ce que nous avons lu dans Michée chapitre 5. En dat is wat we gelezen hebben in Micha. La prophétie de Michée chapitre 5. De profetie van Micha. L'Éternel a promu par la bouche de son prophète. De Heere heeft gezegd uit à cette ville de Bethléem Ephrata. Tegen de stad Bethléem Ephrata. Qui est la plus petite ville de Juda. Dat de kleinste stad is van Juda. Que cette ville là. Dat die stad aura la domination sur Israël. De heer, zal heersen over Israël. Aura la domination sur Israël. Zal heersen over Israël. Et de cette ville. En van deze stad. Sortira un sauveur. Zal een heerser voortkomen. Le roi Messie. De Messias. Et ce sauveur conduira le peuple. En deze redder zal het volk avec leiden. Avec la force de l'Éternel. Met de kracht van de Heer. Avec la puissance de l'Éternel. Met de macht van de Heer. Avec la dynamis de l'Éternel. Met de dynamis van de Heer. Lorsqu'on parle de la puissance de la dynamis. Wanneer we spreken over de kracht van dynamis. C'est Dieu dans ses œuvres. Het is God in zijn daden. Dieu dans la démonstration de ses actes. God in de demonstraties van zijn et handelingen. Et ce roi sauveur. En zijn koning. Lorsqu'il se lèvera. Wanneer hij zal opstaan. Il viendra avec la puissance de l'Éternel. Hij zal komen met de kracht van de Heer. Et son but en zijn doel sera de donner au peuple zal om aan het volk une habitation assurée, een veilige stabilité, plaats te geven, stabiliteit la propriété, te geven, en ook de une habitation assurée, een veilige plaats la stabilité, te geven, een stabiliteit et la propriété, te geven, en ook een eigendom te geven. Et de cette ville de Bethléem, en van deze stad van Bethléem. Des grands hommes sont sortis de Bethléem. Grote mannen zijn gekomen uit Bethléem. Il y a par exemple un homme appelé Ibtsam. Bijvoorbeeld een naam dat Ibtsam.
Ibtsam, Ibtsam, qui était un juge. Hij was een rechter. Vous regardez dans Juges chapitre 12, als jullie kijken naar Richteren, verset 8. Hoofdstuk 12, Ibtsam avait 30 fils. Hij had 30 zonen. Et 30 filles. En 30 dochters. 30 fils. 30 zonen. Et 30 filles. En 30 dochters. Non seulement il y avait Ibtsam. Niet alleen was er Ibtsam. Il y a aussi Elimelech est sorti de Bethléem. Elimelech die ook van Bethléem kwam. Il y a aussi Boaz, vous vous rappelez Boaz, le mari de Ruth. De man van Ruth. Est sorti de Bethléem. Is ook van Bethléem gekomen. Le roi David également. De koning David est sorti de Bethléem. Kwam van Bethléem. Et par-dessus tout, en boven alles, notre Seigneur Jésus, onze Heer Jezus, le Messie, de Messias, le roi des rois, de koning der le Seigneur de Seigneurs, de Heere der Heere, est sorti également de Bethléem. Kwam voort uit Bethléem. Donc de Bethléem, dus van Bethléem sont sortis des grands hommes, zijn er grote mannen gekomen, dans le Messie. Waarvan de Nouvelle Jérusalem a Jérusalem van Hasselt. Des grands hommes sortiront de vous. Mannen, mensen des sauveurs sortiront de vous. Redders zullen voortkomen. Qui recevront et qui ont la puissance de Dieu. Die de kracht van God qui travailleront avec la puissance du Dieu très haut. Ça ne sera ni par la force. Zal niet zijn door jullie kracht, ni par l'intelligence quelconque. Inzicht, ni par la sagesse quelconque de l'homme. Niet door de mais ce sera par la puissance de Dieu. Door de kracht van des grands hommes sortiront de vous. Grote mensen zullen uit je komen. Waarom? Parce que ces grands hommes omdat deze grote mensen conduire le peuple et l'église het volk zal moeten leiden à la stabilité, naar stabiliteit, à la propriété, naar het eigendom. Nouvelle Jérusalem à Sète. Nieuwe Jérusalem van Hasselt. J'entends un son de l'Éternel qui dit du haut de son trône: je suis sur le point de vous donner une habitation assurée et propre. Ik hoor de Heer de vous donner votre propre bâtiment afin de faire arrêter l'errance, d'arrêter l'incertitude, d'arrêter la dépendance, parce que vous êtes Bethléem, la maison du pain. Un peuple doit venir et être nourri. Les fruits abondants doivent sortir de vous. Et vous avez besoin de la stabilité. 20 jaar later. 20 ans après Benjamin est venu. Jaar later is Benjamin se lève. Benjamin staat pour amener son peuple om de volk te brengen, dans la stabilité. Om naar de stabiliteit te leiden. La stabilité. Om naar de stabiliteit te leiden. Le texte ici de Michée. De tekst van Micha promet également à Bethléem, ook in Bethléem d'avoir une grande renommée. Om een grote l'onction qui travaille à Bethléem, die zalving dat werd in avec Bethléem, les serviteurs qu'il élève, met de dienaars die hij opstaat, donnera une grande renommée. Zal een grote et cette renommée-là ira jusqu'aux extrémités de la terre. Gaat heen, gaat ce n'est pas pour parce que tu le veux ou pas, niet omdat je dat mais wilt, c'est parce que Dieu a ordonné que tu sois puissant. Beveelt om krachtig te zijn. Nouvelle Jérusalem à Celte. Rebosita rebos. Alléluia. Nouvelle Jérusalem, l'Éternel le promet. Une paix abondante au milieu de vous. Vrede te geven une paix vrede. Abondante. Om vrede te la geven. Paix est synonyme de prospérité. Vrede is synonyme van Gaius. Boosgoed. Je désire que tu prospères à tous égards. Ik verlang dat je et que tu sois en bonne santé. En dat je een goede gezondheid bent. L'état de ton âme. Zoals de staat van je la nouvelle ziel. Jérusalem à l'antenne. À Hasselt. L'Éternel t'ordonne la puissance. De Heere, parce que je tu es face à un ennemi de taille. Opdat je tu es face à un ennemi de taille. Bien que petit sois-tu. Bien que jeune sois-tu. Tu es face à un ennemi de taille. Ton ennemi s'appelle l'Assyrien. Ton ennemi s'appelle l'Assyrien. Tu ne le savais peut-être pas. Misschien tu ne lui as donné peut-être pas un nom. Misschien mais l'Éternel me dit de te dire. Selon Michée chapitre 5. Ton ennemi s'appelle l'Assyrien. Dat uw vijand Assyrië heet. Qui est l'Assyrien? Wie is hij precies? L'Assyrien, c'est un habitant de l'Assyrie. Hij, de Assyr is iemand die vous vous rappelez le vendredi passé quand j'étais là? Toen ik de vrijdag gekomen was. Je vous ai parlé de l'Assyrie. Ik heb jullie gesproken over Assyrië. L'Assyrie qui opprimait Israël. Die Israël et Dieu a dit à Élisée de dire à Joas en God zei tegen de tirer des flèches et de frapper. Om de aujourd'hui te je reviens chez vous kom ik par terug, la grâce du Seigneur door de conduit par son esprit geleid door zijn pour vous dire om jullie te zeggen, le géant qui s'élève devant de vous die gaat opstaan, s'appelle l'Assyrien. Le géant qui se dresse devant die de vous s'appelle l'Assyrien. L'Assyrien est l'habitant de l'Assyrie. De Assyr, die is de bewoner van et l'Assyrie
En Assyrië, selon Michée chapitre 5, volgens Micha hoofdstuk 5, le verset 6, verset 6, la Bible dit, zegt de Bijbel, ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie, het overblijfsel van Jacob, et du pays de Nimrod, au-dedans de ce porte. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien, lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Zij zullen het land van Assur wijden met het zwaard, het land. C'est un pays qui a été fondé par Nimrod. Dus Assur is een land dat werd gesticht door Nimrod. 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 D'après le livre de Genèse. Volgens het boek van Genesis. Chapitre 8. Hoofdstuk 8. Et on ira dans Genèse chapitre 11 également. Nadien gaan we naar Genesis hoofdstuk 11. Nimrod. Nimrod, c'est le premier roi sur la terre après le déluge. Is de eerste koning op aarde na de vloed. C'est le premier guerrier après le déluge. Dat is de eerste krijgers na het watervloed. Nimrod. Nimrod. Et le nom Nimrod en hébreu. En het woord Nimrod in hebreeuws. C'est le nom Lifne. Is het woord Lifne. Qui signifie? Dit wil zeggen. À la face de. À la face de. Okay. Ou contre. Of ten opzichte, ou en opposition. Of in oppositie zijn. Nimrod zeggen. Signifie. Nimrod wil zeggen. À la face de. Dus tegen opzichte van iemand. Contre. Zijn. Dus tegen ou opzichte. Ou en opposition. Of in oppositie zijn. Lorsqu'on parle de Nimrod. Wanneer we spreken over Nimrod. Nimrod, c'est le prototype du rebelle. Is de prototype van c'est le prototype de celui qui provoque Dieu. Is de prototype van degene die la God preuve, uitdaagt. C'est à cause de Nimrod. Het is door Nimrod. Que le peuple a élevé la tour de Babel. Dat het volk de toren van Babel heeft kunnen bouwen. Dont l'objectif était d'atteindre jusqu'aux cieux. En hun doel was om de hemel te raken. L'habitation de l'éternel. De woonplaats van de Heer. Nimrod est le synonyme de la rébellion. Is de synoniem van rebels zijn. Nimrod est le synonyme de la révolte. Is de synoniem van de tegenstander. Nimrod s'est rebellé contre Nimrod Dieu. Nimrod was vijandig. Il a établi sa propre loi. Hij heeft zijn eigen wet. Il voulait bâtir une ville qui toucherait le Hij ciel. Hij wilde een stad wonen die de een toren wonen, bouwen die de hemel raakte. Il conduisit le peuple dans l'adoration des idoles. Hij leidde het volk om afgoderij te plegen. Et parmi les idoles que le peuple adorait. En tussen de idool dat de heer dat het volk une idole principale qu'on appelait Ishtar. Was er een volk dat Ishtar werd genoemd? Ishtar, c'était une divinité féminine. Het was een vrouwelijke diviniteit. Et le pouls de Ishtar, un autre dieu. En un autre dieu. Dus aan onze god. Dus de man le van Ishtar. Le pouls de Ishtar. Okay, de man van Ishtar. Qui était aussi un dieu. Die ook een god was. Il est mort un vendredi. Hij is op een vrijdag gestorven. Et il a été ressuscité un dimanche. En hij werd op een zondag herrezen. En voor ons christenen. Nous savons que le Christ est mort le vendredi. Wij weten dat Christus dood is op vrijdag. Et il est ressuscité le troisième jour à la Pâque. En hij is op de derde dag herrezen. Et en Assyrie. En in Assyrus. On adorait une idole. Werd er een idool aanbid. Qu'on disait qu'il était mort et ressuscité, ramené à la vie. Waarvan we wisten dat hij dood is gegaan en je ne veux pas aller plus loin. Gewekt. Ik ga daar parce niet verder si op vous allez plus loin, vous comprenez où nous sommes. Want als jullie verder gaan, gaan jullie begrijpen vous waar comprenez we zijn. Où nous sommes. Alléluia. Vous comprenez où nous sommes. Dan begrijpen jullie waar we zijn. C'est de là qu'est venu Semiramis. Dus daar was Semiramis. Et Semiramis gekomen. Le montre a porté un enfant. En Semiramis heeft een et kind vous gebracht savez où op nous aarde. Sommes. En jullie weten waar wij zijn. Alléluia. Amen. Pour les étudiants de la Bible, voor de studenten van de Bijbel, un nom associé à Nimrod, de naam dat samengaat met Nimrod, a pris la forme en Akkadien. Heeft een vorm genomen in l'Akkadien, c'est le langage qui était parlé. En dat is een taal dat gesproken werd. En Babylonie. In Babylonie. Et en Babylonie. En in Babylonie. Nimrod se dit Porta. Nimrod in Babylonie is Porta. Porta. Chez nous. Dans notre langage actuel, bij ons, in onze actuele taalgebruik, à Peter ou Peter. Is dat overeenkomstig met Pieter et of Peter. Ce nom signifie
En deze naam betekent une personne qui ouvre. Een persoon dat opent. Une personne qui ouvre. Een persoon dat opent. Non seulement Nimrod. Niet alleen Nimrod. Et la personnification de la rébellion contre Dieu. Et la personnificatie van de rebellie tegen God. Et contre l'onction de Dieu. God en zijn contre zalving, tout ce qui est de Dieu. En alles wat van God is. Quand l'onction opère. Wanneer de zalving quand werkt, la puissance de Dieu se manifeste. Wanneer Gods macht zal werken. Nimrod est également celui Nimrod qui ouvre la porte. Is ook iemand die de il ouvre la porte opent à la rébellion. Hij opent de deuren quand l'onction de Dieu se manifeste, God quand la puissance werkt, de Dieu opère, God's macht Nimrod y vient pour détourner. Nimrod, om Nimrod van, y vient pour avaler. Om dingen op te Nimrod eten. Empêche que cette puissance-là Nimrod puisse amener un épanouissement réel, niet naar puisse amener quelque chose de fructueux. Dat de c'est comme si, comme le temps de Madian, tout ce que tu as semé, quand tu reviens après, c'est comme si tu n'avais pas fait de travail. Tout ce que tu as bâti, quand tu reviens après, c'est comme si tu n'avais rien fait. Pourquoi? Parce que Nimrod est là. Il ouvre la porte à la rébellion. Il s'oppose à l'onction. Il s'oppose à la puissance de Dieu. Nimrod die opent de deur naar rebels gedrag. Alléluia. Amen. Et l'Assyrien dont on parle ici, en het Assyr waarover wij nu c'est spreken, le rebelle contre Dieu. Is een rebel tegen God. C'est l'homme de l'iniquité. Is het man van de onrechtigheid. Dans le Nouveau Testament, in het Nieuwe Testament. L'Assyrien, c'est celui qu'on appelle l'Antichrist. Assyr, dat is degene die wij Antichristus noemen. Dans le Nouveau Testament. In het Nieuwe L'Assyrien, Testament. C'est celui qu'on appelle l'Antichrist. Assyr is iemand die de Antichristus is. À partir de ce texte de Michée, vanaf de tekst van Micha, on sait d'où viendra l'Antichrist. Weten we waar de L'Antichrist zal viendra komen. De la Syrie ancienne. Hij zal komen uit et de tout ce qui Assyrie. Est racheté à la Syrie. En alles wat gehecht à partir aan Assyrie, de ce texte. Vanaf deze tekst. Et l'Antichrist. C'est celui qui s'oppose à tout ce qui est de Christ. C'est celui qui s'oppose à tout ce qui est de l'onction. C'est celui qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Tegen alles wat van God te maken heeft. La nouvelle Jérusalem à Hasselt. Het nieuwe Jeruzalem van Hasselt. Je sais que nous tous nous sommes confrontés à cela. Ik weet dat we allen geconfronteerd zijn tegen deze zaken. Mais l'Éternel m'a donné ce texte. Maar de Heer toen hij mij deze tekst gegeven heeft, heeft mij gevraagd om jullie te que zeggen vous êtes dat jullie geconfronteerd à l'esprit zijn de l'Antichrist. Door de geest van de Antichrist. Qui s'oppose à Christ. Die zich tegen qui Christus s'oppose werkt. À l'onction. Die tegen de qui s'oppose werkt. À tout ce qui est roi. Die tegen alles wat gezalfd c'est pour ça ton Dieu t'ordonne. Het is daarom dat d'être uw God puissant. Je beveelt om ton Dieu te zijn. De Heer beveelt de te u op, ton op Dieu te staan. De Heer beveelt de u continuer à brandir l'onction. Om te groeien si la in uw zalving. Ook al is de strijd machtig, het is het bewijs dat de vijand weg aan het gaan is. Het is het bewijs dat de vijand weg aan het gaan is. Je moet uw vuur, uw macht doen laten groeien. En de Heer belooft je dat op een dag dat Assyrië zal vallen. Als hij niet al gevallen is. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Maintenant, nu, bien-aimé du Seigneur, geliefde van de Heer, comment faire face à cette opposition? Wanneer je tegen comment se tenir oppositie bent, devant cet ennemi? Hoe kan je dan stand houden voor deze vijand? Je vous parle de Nimrod. Ik spreek over Nimrod. Tout est venu de Benjamin. Alles kwam van Benjamin. Benjamin de Bethléem et Frata. Benjamin van jusqu'à parler de Nimrod. Efrata, je suis en train d'aller quelque part. Ik ben ergens heen aan het gaan. Nimrod, comme Genèse 11 nous dit, Nimrod, zoals Genèse, c'est lui qui a mené le peuple à élever la tour de Babel. Ça veut dire, bien-aimé du Seigneur, je ne vous apprends rien. Dat wil zeggen, ik leef la maison niet où aan. Nous sommes, het huis waarin we c'est ons la bevinden, maison de l'Éternel. Is het huis van de c'est Sion. Het is Sion. C'est ici que le nom de Dieu het is est élevé. Waar de c'est naam ici van God que la gloire verheven. De Dieu est élevée. Het is hier waar Gods glorie mais wordt dans verheven. La ville également, maar in de stad y a d'autres ook, tours également qui zijn sont er ook andere torens die worden gebouwd. Y a une tour puissante et glorieuse qui est élevée. En glorieuse c'est la tour d'opposition. Die wordt c'est gebouwd. La tour d'opposition. Een toren van oppositie. C'est la tour qui se lève contre l'onction. Qui combat l'onction du Dieu, qui combat la puissance du Dieu. Mais la Bible nous dit, zegt, la tour de Babel, de toren van c'est lui qui a arrêté la tour de Babel, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Van Babel il a amené la confusion. Je t'annonce, nouvelle Jérusalem, Hasselt. La confusion arrive Jérusalem bientôt dans le camp de tes ennemis. Rebossata, rebossa. La confusion arrive bientôt dans le camp de vos ennemis.
tout ce qu'ils ont dit contre vous, ils seront confus parce que Dieu a décidé, maintenant c'est le temps d'élever Benjamin. D'élever Benjamin, c'est lui qui était petit, mais qui semblait ne pas être grand. C'est lui qui était jeune, mais qui semblait ne pas avoir la puissance. Avec la main de Dieu sur lui, la confusion arrive dans le camp de vos ennemis. Alléluia. Amen. Deuxième élément. Non seulement Dieu lui-même va intervenir pour amener la confusion dans le camp de vos ennemis. Deuxièmement, et là ça devient encore plus intéressant, je l'ai déjà dit et je le redirai, Dieu élève Benjamin pour qu'il domine avec le commandement de sa force. Avec la puissance de Dieu. Met de Godsmacht. Autrement dit, bien-aimé. Anders gezegd, geliefde. Dieu est en train d'élever et veut utiliser votre jeunesse. God wil jullie jeugd gebruiken. Alleluia. En hij is jullie jeugd aan het verheven. Verheffen. Alleluia. Amen. Bishop. Dieu va utiliser votre jeunesse. God zal jullie jeugd gebruiken. La jeunesse de la nouvelle Jérusalem. De jeugd van het nieuwe Jeruzalem. Dieu va vous utiliser. God zal jullie gebruiken. Je ne connais pas très bien l'histoire de cette église. Ik ken niet goed het verhaal van deze kerk. Mais j'ai l'impression. Maar ik heb het indruk. Qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement fort de la jeunesse. Wanneer er een beweging is van de jeugd. Nimrod is altijd gekomen om dit te breken. Avec un esprit de rébellion. Met een geest van rebellie. Alléluia. Je ne connais pas l'histoire. Ik ken het verhaal. Je n'ai jamais parlé avec le bishop comme tel. Gesproken over de bischop daarover. Mais l'Éternel dit, il arrive une saison, qu'ils veulent ou pas, je vais élever dans cette maison une jeunesse qui marchera avec ma puissance et ma force. Qui marchera avec ma puissance et ma force. Ça a pris 20 ans pour former cette jeunesse. Ça a pris 20 ans pour préparer cette jeunesse. Mais elle est presque prête. Elle est presque prête. Et elle est décidée en découdre avec les anciens systèmes. Elle est... Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 49, Genesis hoofdstuk 47. Voyez-vous, Jacob avant de partir en tant que père, Jacob, voordat hij vertrok votre als een vader, encore là, jusqu'à die vader is hier nog steeds, hier tot 100 jaar jusqu'à 100 ans. Alléluia. Tot 100 jaar. Jacob, avant de partir, Jacob, voordat hij il vertrok, est en train de bénir tous ses enfants. Hij is zijn kinderen aan het zegenen. Lorsqu'il arrive chez Benjamin, wanneer hij aankomt bij Benjamin, il dit ceci de Benjamin. Zegt hij van Benjamin, il dit, Benjamin est Benjamin un loup qui déchire. Is een wolf dat dingen verslindt. Le matin, il dévore la proie. In de ochtend is hij zijn prooi aan het verslinden. En in de avond is hij... Benjamin est un loup qui déchire. Benjamin is een verscheurende wolf. Le matin, il dévore la proie. 'S morgens verslindt hij zijn prooi. Le soir, il partage le butin. En 's avonds deelt hij zijn buit. Voyez-vous, on dit de Benjamin, we zeggen van Benjamin que c'était une tribu des gens belliqueuses. Was een stam van mensen qui aimaient beaucoup la bataille et le combat. Die heel veel van strijd hielden. C'était des gens violents. Het waren gewelddadige mensen. Ça peut se comprendre. En dat kunnen we begrijpen. Quand ta naissance a amené la mort de ta maman. Dat wanneer uw même geboorte si le papa de dood le nom, van je moeder heeft mais gemaakt, le papa ook n'a pas changé l'histoire, heeft je moeder on te rappellera toujours l'histoire de ta vie. We gaan altijd terugdenken van hoe ce sont jij je moeder de dood hebt. Des gens qui vivent avec Benjamin zijn une amertume dans le cœur. Met een bitterheid in de hand, hart, zich bevinden. Et fois, le papa, en dikwijls de vader. Il pense en changeant le nom, il a résolu le problème à l'intérieur. Veranderen en dat il hij denkt dat hij de probleem van Benjamin heeft kunnen oplossen. Het probleem is dieper geworden dan dat. Het probleem is dieper geworden dan dat. Voyez-vous, d'où Benjamin, c'est de type
de personnes. Benjamin zijn de type personen. Qu'on arrive toujours pas à maîtriser. Die we nooit kunnen ils ont la force. Beheersen. Ze hebben de kracht. Ils ont l'onction. Ze hebben de zalving. Mais ils sont un peu comme tête en l'air. Maar ze hebben een beetje on voit que l'enfant ici, il y a un avenir. We zien dat het on voit que le jeune là, il y a un avenir. We zien dat deze mais jongen il est tête en l'air. Een toekomst il énerve même les gens. Maar hij stort comme Elisa a été énervé par Joas. Ook tu as l'impression de lui donner de coups. Ou de le prendre de baisser sa culotte et de lui donner des fessées comme chez nous. Dat is een soort kind dat je een kan. Mais ne le rejette pas. Maar, parce que c'est lui qui a reçu la domination. Maar werp hem niet weg. Alléluia. Beheersing. Ne rejette pas. Parce que c'est lui qui a reçu la domination. Want hij is degene die de l'enfant est en train de reproduire les blessures intérieures de son passé. L'enfant est en train de reproduire. Het kind l'amertume de son passé. Is de bitterheid van mais zijn si verleden aan het produceren. Maar als je stopt tu op deze beeld, Benjamin. Ga je Benjamin parce que stoppen. C'est lui qui a reçu la domination. L'onction de la puissance Zalding va se manifester au travers de Benjamin. Nouvelle Jérusalem à Celte. Il y a certains de vos jeunes qui sont partis. Ne les condamnez pas. C'est de potentiel Benjamin. Ils sont partis parce qu'ils ont été blessés. Ils ont accumulé de blessures intérieures. Mais allez les chercher. Allez leur dire, venez. Parce que vous avez une part dans le gâteau aussi. Parce que la puissance qui arrive, vous devez aussi en profiter. Nous avons besoin de Benjamin. Nous avons besoin de Benjamin. Nous allons leur dire, le maître vous appelle. Venez au pied de Jacob. Venez au pied de votre père. Parce que la puissance qui arrive, elle est également pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez. Lisez. Dans Juges chapitre 20. In Richter hoofdstuk 20. Verset 15 à 16. Verset 15 tot on nous dit ceci. Zegt wat le dénombrement que l'on fit en séjour de Benjamin, sorti de Vul, fut de 26 000 hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibea, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Richter. 1 Chronique 8, 40. 1 Chronique, hoofdstuk 8, je vais vous le lire encore. 40. Ik ga dat voor jullie voorlezen. Les fils du Lam furent des vaillants hommes, tirant de l'arc. Ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150. Tout cela sont des fils de Benjamin. 1 Chronique 12, 2, la Bible 1 Chronique, hoofdstuk 12, verset 2. C'était des archers, des gens qui tirent de flèches, lançant de pierres de la main droite et de la main gauche, tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient des Benjamins du nombre de frères de Saül. 2 Chroniques 14, 7, 8. 2 Chroniques, hoofdstuk 14, la Bible verset 8, dit, il dit à Juda, bâtissant ces villes, et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant des boucliers et la lance, et de ceux de 280 000 de Benjamin, portant des boucliers, tirant de l'arc, tous vaillants. Les Benjamins, ce sont des vaillants hommes qui savent comment tirer des flèches. Ce sont des archers. La tribu de Benjamin était réputée en Israël comme étant la tribu de meilleurs archers et de meilleurs frondeurs, des gens qui tiraient la fronde. C'était ça leur spécialité. Lorsqu'on allait dans le combat, c'est les Benjamites qu'on mettait devant. Parce que c'était des tireurs expérimentés de flèches. Les Benjamins qui sont des blessés. Innerlijk geblesseerd zijn. Ils sont dans les mains de l'Éternel. Ze zijn in Gods handen. Des flèches attirées dans le camp de l'ennemi. Boogschutters die worden des flèches qui vont détruire les œuvres de l'ennemi. Parce que là où ils ont été, want waar ze waren, les blessures intérieures qui sont accumulées, ils savent ze comment guérir ceux qui sont blessés parce que eux-mêmes sont blessés. Hoe ze de mensen alléluia!
Ils savent comment répondre à une question. Parce qu'eux-mêmes n'ont jamais eu de questions répondues. Ils savent comment soulager celui qui est à terre. Parce qu'à un moment donné de leur vie, eux aussi étaient à terre. Ce ne sont pas des religieux qui sont là, qui jugent, qui jugent, qui jugent. Non, c'est des gens qui disent, je te comprends. Parce que moi aussi j'étais là. Je te comprends. Parce que moi aussi j'ai subi ça. Je te comprends. Parce que moi aussi on m'a rejeté. Je te comprends. Parce que moi aussi j'étais incompris. Mais je te dis une chose. Ne reste pas là où tu es. Relève-toi. C'est le Benjamin. Ne négligez pas vos tireurs d'arc. Ne négligez pas vos archers. Ne négligez pas vos Benjamins. Alléluia. De Bethléem. Des grands hommes sont sortis met une spéciale zalving. Parmi d'autres grands hommes qui sont sortis de Bethléem et Ephrata. Tussen de grote mensen die uitgekomen zijn van Bethléem et Ephrata. Saül. Saul. Voyez Saül. Saul. C'est le premier roi d'Israël. Is de eerste Saul. Koning van Israël. Le premier roi d'Israël. Hij is de eerste koning van Israël. Et un autre homme intéressant sorti de Bethléem et Ephrata. En een andere man die uit Bethléem et Ephrata is voortgekomen. C'est Saul. Is Saul. Saul qui est devenu l'apôtre Paul. Saul qui est devenu Paulus l'apôtre Paul. Saul die de Benjamin qui Paulus se lève. Benjamin die opgestaan la zijn. Puissance de Dieu qui est avec eux, qui travaillera avec eux. Gods macht waarbij die met hun werkt. Le conduira à régner. Zal hun leiden om te dans heersen. La royauté. In koninkrijk. À dominer. Om te kunnen heersen. À dominer. Om te kunnen heersen. À dominer sur qui? Om te kunnen heersen over. À dominer sur le chef de Juda. Over de à dominer sur le chef des Zabulon. Over de à dominer sur le chef de Neftali. Over de chef van Neftali, Zabulon. C'était un peuple qui était lié dans les ténèbres. C'était un peuple qui ne savait pas entrer dans son héritage. C'était un peuple qui croupissait dans la misère. Mais Dieu, au lieu d'élever un parmi les grands, il a été prendre le plus petit. Et le om plus een grote Alleluia. Te brengen om hun c'est te redden. Ça que j'aime de la folie de Dieu. De là où les gens comptent entièrement dus c'est lui. De mensen mais Dieu op regarde. De mensen, je vais zegt, aller ik de chez les plus petits naar de jongste, naar et chez les plus jeunes. C'est de là que sortiront dus daar waar vos rois et vos reines. Jullie koningen en koninginnen zullen voortkomen. Il y a des Saül aussi qui vont sortir. Saul zijn die uit zullen komen. Ils vont devenir des Paul. En die ook Paulus zullen komen. Vos missionnaires. Jullie missionarissen zal komen uit jullie jeugd. Alleluia. Ne négligez pas votre jeunesse. Negeer jullie jeunesse. Jeugd. Quand Dieu ordonne que tu sois. Wanneer God je beveelt om machtig te zijn. Alleluia. Amen. Voilà bien-aimé du Seigneur. Geliefde van de Heer. Je m'arrête ici. Ik stop hier. Je m'arrête ici. Ik stop hier. Et nous allons prier ensemble. En we gaan samen bidden. Je ne sais pas quelle direction la prière va prendre. Ik weet niet welke mais nous allons prier ensemble. Hebben, maar we gaan samen bidden. Si quelqu'un s'est retrouvé. Als iemand zich hier voyez-vous, bevindt, les Benjamins. Benjamins, ce n'est pas que jeune par rapport à l'âge. Het zijn niet enkel jongeren van, ten opzichte c'est van de jeune également par rapport à la soif des choses de maar Dieu. Maar ook jong ten opzichte lorsqu'on van de dingen van dorst des voor God. Dieu, wanneer je niet meer dorstig bent voor de dingen van God, zijn wij spiritueel oud geworden. Maar zolang wij dorst Dieu hebben voor God, God zal onze jeugd alors, si behouden. Dans dus als er Benjamins zijn in de zaal, die zeggen, Heere, tu as ordonné que nous soyons puissants. Je hebt ons beveeld om Seigneur, machtig te zijn. Cette parole. God, wij ontvangen et nous dit nous woord. Pour en we zullen opstaan nous om te veroveren. Pour we zullen opstaan om doorheen de gebaren te gaan. We gaan opstaan om te veroveren. La opstaan tegen rebellen. We zeggen nee tegen rebellen. We gaan opstaan tegen de antichristen. Christus. Non à l'immoralité. Zeggen nee tegen de immoralité. Non à l'esprit du monde. Zeggen nee tegen et nous allons nous lever pour toi. We gaan opstaan. Nous allons nous lever en pour Dieu. Opstaan voor si God. Y a des Benjamin dans la salle, als Benjamin zijn je in de zaal, demande aux Benjamin de se mettre debout. Zou ik graag willen vragen aan et nous allons prier ensemble. En we gaan samen nous allons prier ensemble. We gaan samen bidden. Nous allons prier ensemble. We gaan samen bidden. Si Benjamin, tu veux te même avancer, je ne veux pas t'imposer le main. Benjamin, mais je vais prier avec toi. Ik ga jullie niet de handen opleggen. Je vais prier avec toi. Ik zal voor mensen
mon église, j'étais un jeune bruyant. J'étais un jeune bruyant. Partout où je passais, j'étais un jeune bruyant. Mais des fois, j'étais tellement bruyant qu'on pensait que lui, c'était un rebelle. Mais c'est simplement, il y avait un feu qui brûlait en moi. Je ne savais pas comment le canaliser. Il y avait quelque chose qui était en moi qui voulait exploser. Mais on ne reconnaît pas la sagesse des grands. Heureusement que les grands m'ont canalisé. Parce que s'ils n'étaient pas là, alléluia, mais quoi qu'il en soit, s'il y a des Benjamins ici, alors ensemble, prions. Dis, Seigneur, je suis là. Utilise-moi. Utilise-moi. Prions ensemble, bien-aimés. Rababosé. Redosita Rabosa. Père éternel, Dieu des armées. Merci pour les Benjamins de la maison. 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 Merci pour cette génération que tu élèves. Mais tu élèves, Seigneur, que tu élèves avec une onction de royauté, avec une onction de la sacrificature. Merci pour cette génération que tu élèves dans cette assemblée. Une génération qui va bousculer les codes arrêtés. Une génération qui va repousser les limites qui ont été imposées. Une génération qui fera la différence. Car c'est une génération qui a été formée dans le creuset, qui a été formée durant ces 20 années. Il y en a qui sont sortis des entrailles des parents. Il y en a d'autres qui sont venus. Et il y en a d'autres qui viendront. Tu les attireras en aussi grand nombre, Dieu, pour bousculer les limites, pour aller plus loin, pour aller plus loin, pour aller plus loin. Merci, Seigneur de gloire, pour la sacrificature que tu rebossates. Rebapaïdosiata, meredosiate, rebossa, enderebossate. J'appelle tous les benjamins qui étaient partis. Je les appelle, oh Dieu, qui reviennent à la maison, qui reviennent à la maison, qui reviennent à la maison, qui reviennent à la maison. J'appelle tous les benjamins qui étaient porteurs de grandes destinées, qui étaient porteurs de grandes destinées, mais qui ont été déroutés par l'esprit de rébellion. Ce soir, oh Dieu, nous brisons cet esprit de rébellion au nom de Jésus. Rebo sata rebo, reba baba baika, meredo siata, redo sete rebaika. Je brise cet esprit de rébellion au nom de Jésus. Je brise cet esprit de rébellion au nom de Jésus. Je brise cet esprit de rébellion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reba papa papa. Reba papa papa. Reba bossete. Je brise l'esprit d'enchantement et d'enfoutement au nom de Jésus. 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 Reba papa papa. Reba papa papa. Reba papa papa. Enderebossa. Enderebossa. Je prie cela au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Reba papa. Eredosiata, meredosiata, eredosiata, eredosa. Une jeunesse enflammée pour toi. Une jeunesse enflammée pour toi. Eredosiata, eredosiata, qui va porter cette vision à côté de l'homme de Dieu, à côté de maman pasteur, à côté de la famille, qui vont porter cette vision, qui vont porter cette vision des jeunes qui se lèvent, qui ont dit non au monde, qui ont dit non au diable, qui ont dit non aux séductions de ce monde. Et de Rosiata, Reba Papa, et Redosete, et de Rabosa, Reba Papa, Reba Papa, et Redosiata, et de Rebosa, et Redosiata, Reba Papa, Reba Papa. C'est pour toi, jeune. C'est pour toi, jeune. C'est pour toi, jeune. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Que Redosete Reba, et de Rebosiata, et Redosiata, et Redosa, et de Rebosiata. Merci Seigneur. Merci Redosiata. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'élever une génération des guerriers dans la prière. Des guerriers dans la prière. De Redosete Reba, et de Rebosiata Reba. Rabba Papa, et de Rebosa. L'onction qui coule sur le pasteur, sur le bishop dit. Le bishop Abraham, que cette onction coule sur la jeunesse, sur la jeunesse, sur la jeunesse. Que cette onction qui est sur le bishop Abraham,
que cela coule sur la jeunesse avec impact, avec impact, avec impact, avec impact, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Bobo. Gracia de Redosa. Mirodosia de Redosé. Mene rebosete rebaïka. Resia de Redosete. Miredosita rabaïka. Préodosia de Redosé. Au nom redoutable de Jésus. Redosete rebaïka. Au nom redoutable de Jésus, recette rebaïka, ironosita rabaïka, enerebosete. Au nom redoutable de Jésus, au nom redoutable de Jésus, au nom redoutable de Jésus, que les portes s'ouvrent, une grande renommée pour ton église, une moisson nombreuse, un peuple nombreux qui afflue de partout, qui afflue de partout, qui afflue de partout. Qui afflue de partout, qui afflue de partout, qui afflue de partout, qui vient de partout. Seigneur, nous te le demandons. Seigneur, nous te le demandons. Oh, merci Seigneur, parce que tu brises l'esprit de Nimrod. C'est lui qui vole les membres, c'est lui qui tue l'anxiété. Merci Seigneur, comme tu es intervenu pour la tour de Babel, tu interviens pour ton église. Afin d'amener la confusion, que la tour d'opposition, la tour d'adversité qui s'élève contre ton église s'écroule dans le lambeau, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras. Merci pour ce que tu n'as pas fait. À chaque jour suffit sa peine. Je te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous avons encore du temps dans la prière. Mes geliefden, we gaan nog de tijd opbrengen in het gebed. Il a parlé en code. Hij heeft in code gesproken. Et nous devons prier pour déménager. Maar we moeten bidden om te verhuizen. Halleluja. Nous devons absolument prier pour déménager. We moeten absoluut bidden om te verhuizen. C'est très important. Dat is zeer belangrijk. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Begrijpt iemand mij? Qui ne me comprend pas? Wie begrijpt mij niet? Nous devons absolument déménager parce que Céramis. We moeten absoluut verhuizen want Céramis. Vous savez ce qu'on appelle Céramis? Weet jullie wat Céramis genoemd wordt? Qui ne connaît pas Céramis? Wie kent Céramis niet? Qui ne connaît pas Céramis? Wie kent Céramis niet? Une femme qui porte un enfant, c'est qui? Een vrouw dat een kind draagt, wie is zij? Innocent ne comprend toujours pas? Alors regarde derrière toi. Kijk gewoon achter je. Tu as compris? Toujours pas. Nous devons absolument pour pouvoir battre Nimrod. We moeten opstaan om Nimrod te verslaan. Parce qu'il viendra toujours voler les onctions de la jeunesse. Want hij zal altijd de verzalving van de jeugd komen stelen. Nous avons eu la première génération, comme dit le pasteur Patrick. We hebben de eerste generatie gehad, zoals de pasteur Patrick zegt. Ça a été difficile.
Het was moeilijk. Du moment que cette génération voulait prendre, op het moment dat deze generatie wilde opstijgen, totalement de vijand is gekomen en die zijn al deze jongeren komen stelen. En verschillende bevinden zich links et en rechts. Même ont quitté en verschillende hebben zelfs de kerk verlaten. La deuxième génération, c'était la génération de Oriane, de tweede generatie was de generatie van Oriana. Die ook op is gestaan. Et l'ennemi est venu encore voler, en de vijand plusieurs. Is gekomen en die zijn verschillende komen stelen en verschillende doen verspreiden over de wereld. Maar we willen niet dat alors, deze geschiedenis zich nous blijft herhalen. Dus het is tijd voor déménager. Ons om te verhuizen. Alors, saisissons-nous main dans la main, dus laten we ons hand in hand steken. Pour que même si ça va nous coûter cher, dat ook al dit gebouw ons veel zal kosten, maar dat wij kunnen verhuizen. Halleluja. Nous allons prier ce soir pour renverser, n'est-ce pas, la puissance de Nimrod. We gaan bidden deze avond. Pour renverser la puissance de Nimrod. Om de kracht van Nimrod te doen of te breken. Le premier roi sur la terre. De eerste koning op aarde. Halleluja. Amen. L'instigateur de la tour de Babel. De stichter van de toren van Babel. Halleluja. L'instigateur de la tour de Babel. De stichter van de toren van Babel. Nous allons dire au Seigneur que le Seigneur descende. We gaan vragen aan de Heer op dat pour apporter la confusion. Kracht daalt om la verwarring même confusion te qu'il avait amené au dezelfde temps verwarring de Babel. Die hij heeft gebracht in de tijd que van le Seigneur Babel. Amène maintenant dat la de Heer deze verwarring kan brengen in de kamp est-ce qu'il y a-t-il van de vijand. Benjamin parmi nous? Zijn er Benjamins in ons midden? Halleluja. Amen. Élevons-nous voix et prions. Laat onze stemmen verheffen en de Heere bidden. Élevons-nous contre la puissance de Nimrod. Laten we opstaan tegen de kracht van Nimrod. Élevons-nous contre la puissance de Nimrod. Laten we opstaan tegen de kracht van Nimrod. Ramastamarabosé.
Que la confusion, Seigneur, soit dans les camps de nos ennemis, Seigneur. Toi qui es descendu, Père. Toi qui es descendu, Seigneur, pour confondre les langues. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, ce soir, ô tendre Père. Pour que la confusion, Seigneur, mon Dieu, soit dans les camps. Dans les camps, Seigneur, mon Dieu, des Nimrod, Seigneur. Dans les camps des Assyriens, ô notre Dieu. Nous prenons le bouclier de la foi. Nous prenons le marteau de Dieu, Seigneur, qui est ta parole. Nous prenons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ce soir, ô notre Dieu, comme des Benjamites, ô Seigneur, nous nous dressons, Seigneur, au devant pour renverser, Seigneur, la puissance des Nimrod, pour briser, Seigneur, la puissance des Syriens, la puissance des Assyriens, ô notre Seigneur, notre Dieu. Nous tirons ce soir des flèches. Nous tirons ce soir des flèches. Nous tirons ce soir des flèches de la confusion. Nous tirons ce soir les flèches de la confusion, Seigneur. Nous tirons ce soir les flèches de la délivrance. Nous tirons ce soir les flèches, ô Dieu de gloire. Mon Dieu, mon repère, alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon repère de la délivrance. Nous prenons l'épée, nous prenons les flèches, Seigneur. Que nous frappons une fois, deux fois, Seigneur. Trois fois, quatre fois, Seigneur. Cinq fois, six fois, Seigneur. Sept fois, huit fois, Seigneur. Neuf fois, dix fois, Seigneur. Onze fois, douze fois, Seigneur. Treize fois, quatorze fois, Seigneur. Quinze fois, seize fois, Seigneur. Dix-sept fois, Seigneur. 18 fois, Seigneur, mon Dieu. 19 fois, Seigneur. 20 fois, Seigneur. 21 fois, 22, Seigneur. 23, ô notre Dieu. 24, Seigneur. Et 25, ô Seigneur, Dieu de gloire. Nous frappons ce soir, Seigneur, la flèche, ô Dieu, afin que les Syriens, les Assyriens, Seigneur, Dieu de gloire, soient définitivement vaincus, Seigneur, dans cette génération, mais aussi dans les générations futures, ô notre Seigneur et notre Dieu. Que ce soir, ô Seigneur, que nous puissions rentrer dans la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, Seigneur, définitive, ô notre Dieu. Au nom de Jésus, que Nimrod se lève, nous les renversons ce soir. Que les voleurs d'onction, Seigneur, se lèvent, qu'ils soient dans la confusion ce soir, parce que tu nous ordonnes, ô notre Dieu, à être puissants. Tu nous ordonnes à être puissants. Tu nous ordonnes à être puissants. Tu nous ordonnes à être puissants. Tu nous ordonnes. Mare Baba. Recommanderé Baba. Recommanderé Baba. Nous rentrons dans les camps de l'ennemi ce soir. Nous rentrons dans les camps de l'ennemi ce soir. Ô notre Dieu, nous venons semer la confusion. Nous venons semer la débandade, ô notre Dieu. La déroute totale, ô Seigneur. Ô nom puissant de Jésus. Ô nom puissant de Jésus. Ô nom puissant de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, Remandere Baba, Mare Basta Marabo Sendereba, Rokamandere Baba, Mere Bosandere Baba Sekerema, Rekamaikere Babo Sendereba, le Dieu des victoires, le Dieu des victoires, Seigneur, le Dieu des victoires, ô notre Dieu, Remandere Baba. Marebosa, recommandere basta marabosé. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, Dieu de gloire, Dieu de toute puissance. Lève ton grand, lève ton petit bouclier, Seigneur. Que les esprits humains soient dans la confusion. Les esprits, Seigneur mon Dieu. Voleurs d'onction, sois dans la confusion, Seigneur. Les voleurs, au nom de Dieu, des destinées, Seigneur, sois dans la confusion, au nom de Dieu. Nous prions ce soir pour que les Benjamins s'élèvent, au nom de Dieu. Que les Benjamins s'élèvent, Seigneur.
que les Benjamins célèbrent, oh Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Que les Benjamins célèbrent, oh notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, pour bouleverser, Seigneur. Bouleverser, Seigneur mon Dieu. Bouleverser, Seigneur Dieu de gloire. Remandere Baba. Mare Baba Sendereka. Rokamandere Baba. Marabo Sendere Baka. Rekamandere Baba. Mike Rebo Sandere Mastamarabose. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Bénis-nous, le Seigneur. Sois dans la confusion, oh Dieu de gloire. Mon Dieu, que c'est la missa. Sois dans la confusion, oh nom de Dieu. Ce soir, Seigneur, que Ishtar. Sois dans la confusion, oh notre roi. Ce soir, oh notre Seigneur et notre Dieu. Père de gloire. Que les fameux pierres. Que les fameux pierres, Seigneur. Les fameux pierres, oh notre Dieu. Les fameux pierres, Seigneur. Les femmes pierres, oh notre Dieu, Seigneur qui contrôle l'Antéchrist, Seigneur, qu'il soit renversé ce soir en ces lieux, Père de gloire, mais aussi dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Mare basta marabose, maïkarabose de les mamans, marabose de les mamans, recamandere basta. Mare baba baba sandereka, roka mandere baba, reka maikerebo sendere mama. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, que tout ce qui a été volé, Seigneur, soit restauré. Tout ce qui a été volé, soit restauré, Seigneur. Les Benjamins qui se sont égarés, reprennent le chemin, Seigneur. Les Benjamins qui s'étaient égarés, Seigneur, reviennent à la maison, ô notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Mare basta marabo sendere mama. Maiko robo sendere mama. Alléluia. Alléluia. Maika rabo sendere mama sa. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu es le roi de gloire. Tu es le prince de paix. Tu règnes, Seigneur, avec puissance, avec gloire, avec autorité. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Ramastamarabousse. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons prier. Nous allons demander au pasteur Patrick de venir ici. Mais toi, Jésus, nous allons prier pour lui. Voyez, c'était un message que le Seigneur avait prévu pour l'Église. Het was een boodschap dat de Heer heeft mais le pasteur me dit, pasteur, je suis fatigué. Maar de pasteur zei tegen mij je ne sais pas si je pourrais venir. Ik weet niet of ik zal kunnen komen. Je ne sais pas si je pouvais venir. Ik zal niet weten of ik zou kunnen komen. Alléluia. Ça, ce sont des esprits humains. Dat zijn menselijke geesten. Pour que la parole de Dieu opdat ne soit pas libérée. Ça, ce sont les complices de Nimrod. Dat zijn de pour voler, n'est-ce pas, la parole. Om het woord pour voler stelen, l'onction. Om de zalving te stelen. Alléluia. Il est un jeune pasteur. Het is een jonge pasteur. Et nous voulons prier pour que Dieu le restaure dans son corps. En we willen bidden opdat God hem kan vernieuwen in zijn lichaam. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse le toucher, que dat Dieu God puisse le fortifier. Dat God hem kan hard raken en hem kan versterken. Que Dieu puisse le fortifier. Dat God hem kan versterken. Amen. Que Dieu puisse les fortifier. Dat God hem kan parce qu'il est programmé pour demain. Want hij is ook mais nous voulons demander morgen, au Seigneur de pouvoir le fortifier. Alléluia. De pouvoir le fortifier. Omdat hij hem kan versterken. Il est le Dieu vivant. Hij is een levende God. Je vais appeler mon épouse si tu veux bien bénir aussi. Ik zou graag vragen aan mijn vrouw om naar voren te komen te bidden. Marie Bossai. Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, tu es le Dieu de la restauration. U bent de God van vernieuwing. C'est toi qui as donné, Seigneur, à Moïse je bent degene die aan Moses la force jusqu'à 120 ans. De kracht hebt gegeven tot 120 ta parole jaar. Déclare, Seigneur, mon Dieu, sa vue n'était point fatiguée. Zijn il avait encore sa vigueur, ô notre Dieu. Ta parole déclare que ceux qui se confient en toi, ils sont comme des aigles. Ils prennent leur envol, ô notre Dieu. Ne se fatigue point, Seigneur. Nous recommandons ton serviteur entre tes saintes mains, ô tendre Père. Nous recommandons
commandons ton serviteur entre tes saintes mains. Que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la restauration, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la restauration, que toute fatigue qui se manifeste dans ton corps te libère ce soir au nom de Jésus. Que tu sois restauré dans ton cœur. Que tu sois restauré dans ton corps. Que tu sois restauré dans tout ton être. Ô Saint-Esprit, souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Rabo sandere makai. Rakamandere bosai. Sois restauré, homme de Dieu. Man van God. Sois restauré. Wees vernieuwd. Homme de Dieu. Man van God. Sois restauré wees dans ton corps. In uw lichaam. Sois restauré dans wees ton être tout entier. In uw hele le mental. In uw mentaal door. L'âme. In uw ziel. L'esprit. In uw geest. Sois restauré. Wees vernieuwd. Totalement. Totaal au nom puissant de Jésus. In de machtige naam van Jezus. Au nom puissant de Jésus. In de machtige naam van Jezus. Au nom puissant de Jésus. In de machtige naam van Jezus. Au nom puissant de Jésus. Remasta Marabusa. Remasta. Ils te font la guerre. Ze zullen u bestrijden. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Maar ze gaan u niet overwinnen. Ils ne pourront pas te vaincre. Ze gaan u niet overwinnen. Ils veulent toucher ton corps. Hij wil jouw lichaam raken. Mais ils ne pourront pas. Maar ze gaan ils ne pourront pas. Parce que celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Celui qui défend ta cause. Celui qui est avec toi, il te renouvelle maintenant. Il te restaure maintenant. Il te renouvelle maintenant. Il te restaure maintenant. Il te renouvelle maintenant. Il te restaure maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Rostamarabos sendere makos. Alléluia. Lève-toi. Rebostamarabos. Yes, Lord. Je communique la vie, Père. Ik communiceer het leven, Vader. Je communique la vie, Seigneur. Ik communiceer het leven. Je communique la restauration. Ik communiceer de vernieuwing. Je communique la restauration. Ik communiceer la visitation, Seigneur, de la puissance de Dieu. De macht van feu nouveau, Seigneur. S'allume au nom de Dieu. Dat er een nieuwe vlam in u brandt. In de naam van Jezus Satan, Christus. Tu ne peux rien. Satan, je kunt niets. Tu ne peux rien. Je kunt niets. Tu as été vaincu à la croix. Je bent overwonnen aan het tes kruis. Œuvres, tes œuvres sont exposées. Uw daden werden tes œuvres sont exposées. Uw daden werden geopenbaard. Sois couvert par le sang de Christ. Wees verheerlijk door que de bloed van Jezus. Que ton épouse soit couvert par le sang de Christ. Dat uw vrouw que tes enfants soient couverts par le sang de Christ. Ook bedekt worden que door ta de bloed maison van soit couverte par le sang de Christ. Uw huis bedekt wordt door de bloed soit van couvert Christus. Par le sang de Christ. Wees bedekt door de bloed et van que le Seigneur Christus. Dépêche. En dat de Heer. Halleluja. Un gardien particulier zich haast om een bewaker te over je pour te zetten, om jouw leven te parce que tu es un bewaken, want je bent een geliefde van God. Kamaiko. Que la gloire te revienne. En de glorie behoort au u de in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Marebosa. Halleluja. Marebosa. Yes, Lord. Amen. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, remercions le Seigneur maintenant. Kunnen we onze stemmen verheffen en de Heer bedanken gedurende deze moment? Laten we bidden en de Heer bedanken. Remercions le Seigneur. Laten we de Heer bedanken. Remercions le Seigneur. Laten we de Heer bedanken. Remercions le Seigneur. Mareba sandereka. Marebo sandereka maikira.
La gloire et l'honneur reviennent à toi. De glorie en de eer behoort u toe. Parce que tu es Dieu. Want u bent God. Au nom de Jésus-Christ. In de naam van Jezus Christus. Amen. Hebben wij gebeden. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Kunnen wij juichen voor de Heer? Merci de vous asseoir. Gelieve te gaan zitten. Nous voulons apporter nos offrandes. We gaan onze offers naar voren brengen. Si vous avez préparé quelque chose pour le Seigneur, als jullie iets voorbereid hebben voor de Heer, le panier vont passer, vous mettez juste de dans le manden panier. Zullen rondgaan en jullie kunnen dit simpelweg in de mand plaatsen. Aussi anders kunnen jullie ook le numéro de compte de l'église. Gebruik maken van de bankrekeningnummer van de kerk. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Dat de Heer jullie zegent. Dank u wel. Pasteur Patrick. Pasteur Patrick. Tu vois le message que tu avais. Zie je welke boodschap jij bij je had. Wow. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Dat de Heer je rijkelijk zegent. Amen. 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 Alors que le Seigneur le restaure. En dat de Heer hem dan vernieuwt. Amen. Amen. J'attendrai son coup de fil demain, mais sinon ik wacht op zijn oproep morgen, maar anders zijn wij hier samen. Amen. Amen. Vous savez, bien-aimés, geliefde, nous devons comprendre les choses de Dieu. We moeten de dingen van God begrijpen. Si nous ne comprenons pas les choses als de we Dieu, de dingen van God niet begrijpen, cela va paraître pour nous un fardeau. Dat gaat voor ons een last blijken te zijn. Halleluja. Amen. Et cela amène parfois aussi la peur. En dikwijls brengt dat ook angst tot ons op. Laisse-moi quand même vous le dire. Laat jullie dat toch even zeggen. Parce que le Seigneur ne cesse d'en parler. Want de Heer blijft erover spreken. Quand le Seigneur m'a changé les noms, il m'a dit que tu vas t'appeler Abraham David. Les gens ont pensé que non. Wanneer de Heer mij gezegd heeft dat ik me van naam zal veranderen naar Abraham David, de mensen dachten van nee. Non. Nee. Bon, c'est à la mode, n'est-ce pas? Dus nu een trend geworden. Halleluja. Amen. J'étais parmi les gens qui combattaient, qui disaient que jamais. Quels sont ces gens qui changent de nom comme ça? Ik was een van deze mensen die zei van oh, nooit ga ik mijn naam veranderen. Wie zijn die mensen die mais dat doen? Mais c'est au travers d'une vision que le Seigneur m'avait donnée. Maar het is doorheen een visie dat de Heer mij gegeven heeft. Que le Seigneur m'a dit de pouvoir changer les noms. Dat de Heer mij gezegd heeft om van naam quel te veranderen. Quel nom devrais-je porter? En welke naam zou ik dan dragen? Même il y a une maman pasteur le jour qu'elle a entendu ton mari s'appelle comment? En nu een mama pastoor heeft ooit gevraagd van hoe heet uw man? Abraham David. Abraham David. Wow. Wow. C'est un nom lourd. Dat is een zware naam. Halleluja. Amen. C'est un nom lourd. Het is een zware naam. Oui, c'est un nom lourd. Ja, het is een zware naam. Mais pas par ma force. Maar het is niet door mijn kracht. Parce que le Seigneur m'a dit que tu seras père d'une multitude. Want de Heer heeft mij gezegd dat je een vader zal zijn van een menigte. Et nous remarquons cela. En wij merken dus op. Mais à côté de cela, men daarnaast, il a rajouté heeft hij ook David. David toegevoegd. Cela veut dire qu'au travers de moi. Dat wil zeggen dat doorheen comme mij, a dit le frère, le pasteur Patrick. Zoals de pasteur Patrick gezegd heeft. Même quand je ne serai plus là. Ook al zal ik hier niet meer zijn. Les gens qui viendront témoigneront. De mensen die zullen des komen getuigen. Puissants, machtige des mensen. Des femmes puissantes. Machtige vrouwen. Vont sortir comme les rejetons de David. Komen voor, zoals les rejetons de David s'appellent comment? De uitsprong van David. En hoe heet hij? S'appelle comment? Hoe heet hij? Jezus. C'est un nom prophétique. Het is een profetische naam. Père de multitude. Een vader mais van aussi menigte, des hommes puissants. Maar ook van machtige vont mensen sortir. Zullen hieruit voortkomen. Puissants machtige Benjamins vont sortir. Zullen voortkomen. Pas seulement avec l'onction niet de Dieu, door Gods zalving, mais aussi dans le social, maar ook in de sociale dans domein. La politique. In de politieke les domein. Hommes qui sortiront. De mensen die uit zullen komen. On se souviendra de nous. Gaan terugdenken aan ons. Même quand ça sera 2100 ook al combien, is het 2150, les gens se souviendront mensen de l'église zullen d'Hasselt terugdenken en 2002. Aan het kerk van Hasselt in 2002. Je vous donne pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné ce nom, ik geef jullie Abraham, David. De reden waarom de Heer mij de naam Père Abraham de David multitude, gegeven heeft. Mais aussi, een vader van menigte, tu maar vas faire ook sortir des hommes importants. Zal God belangrijke homme, mensen voort laten komen. Wanneer féminin, ik spreek hier over compris. Mannen, daar spreek ik hier over de mannen en vrouwen. Halleluja. Amen. Alors, priez pour moi. Dus bid voor mij. Priez pour moi. Bid voor mij. Parce que vous savez, quand
On frappe le berger. Want wanneer wij de herder aanvallen, le peuple sait, zal het volk zich ook verspreiden. Libérons ce message, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Heer, ik dank u voor je aanwezigheid. Tu n'es pas un homme. Je bent geen man. Tu es Dieu. Je bent God. Nous ne servons pas un homme. Wij dienen geen man. Mais nous te servons toi qui n'as ni commencement. Maar wij dienen degene die geen begin heeft. Ni ombre de variation. En ook geen variatie van schaduw. Je te recommande chacun de tes bien-aimés ce soir. Ik zet ieder van je geliefden. In uw handen. Pour que ta main puissante opdat uw machtige hand continue à agir. Blijft werken. Fais de chacun et de chacune maak van ieder des Benjamites, Seigneur. Benjamites. Ceux-là, Seigneur, qui n'ont pas peur diegenen die geen angst hebben d'être devant, Seigneur, om van voor te staan confronter, Seigneur, l'ennemi de vijand te confronteren. Merci parce que tu es Dieu. Dank omdat u God bent. Que notre force ne vienne pas de nos propres capacités. Kracht niet komt van onze eigen capaciteit, Saint-Esprit, maar dat de Heilige Geest se mouvoir, zich voort kan bewegen accomplir, en non pas nos pensées, niet alleen onze dachten, non pas, Seigneur, mon Dieu, notre vision, niet alleen onze visies, mais que cela, Seigneur, soit celui ou celle qui vient de toi. Maar dat hij uw plan kan waarmaken. Merci, Père éternel. Dank u, eeuwige Vader. Parce que tu as décidé. Want je hebt besloten et briser définitivement om definitief le pouvoir de Nimrod, de kracht van Nimrod te verbreken. Le pouvoir de Nimrod, de kracht van Nimrod te le verbreken. Pouvoir de Nimrod, de kracht van Nimrod te le verbreken. Pouvoir de Nimrod, de kracht van Nimrod et te verbreken. En van zijn afstammeling sinds de oude tijd tot Seigneur, van nu, Heer. Nous élevons ainsi ton nom. Wij verheffen uw naam. Nous élevons ton nom. Wij verheffen uw naam. Et nous abaissons tout en we verlagen alle anderen naar tout krachten, alle andere machten die de naam van Jezus Christus merci niet verklaren. Dieu. Dank u, onze God. Aan u behoort de glorie. Nous lever, nous we gaan opstaan dire la en we gaan de simpelweg et nous allons clôturer. Het gebed van onze Vader zij gaan afsluiten. Laten we samen zeggen, onze Vader, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur, merci pour les offrandes. Heer, ik dank u voor de offers. Merci pour les dîmes. Ik dank u voor de tiendes. Que nous sanctifions par le sang de Christ. Die wij verheerlijken met de bloed van Christus. Merci, Père, de donner à chacun. Dank u om aan ieder. Selon le besoin qu'il ou elle a. Te kunnen geven volgens de nood die zij hebben. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus. En dat de genade van onze Heer Jezus Christus. L'amour de Dieu notre Père. De liefde van onze Vader. Et la communion de l'Esprit Saint. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Soit notre partage. Wees met ons allen. Et nous accompagne. En ons vergezeld. Au nom de Jésus-Christ. In de naam van Jezus Christus. Nous avons ainsi prié. Hebben wij gebeden. Amen. 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 Oh, que le Seigneur vous bénisse. Gezegend zij de Heer. Nous nous retrouvons demain à 18h. Om 18 uur. Pour continuer dans notre temps de jeûne et prière. Verder met te gaan met onze tijd van vasten en gebed. S'il vous plaît, priez aussi quand le Saint-Esprit vous dit de prier. Bid wanneer de Heilige Geest u zegt om que te bidden. Que ce soit le jour. Of het nu doorheen de dag que is. Que ce soit la nuit. Of 's nachts. Priez. Bid. Hallelujah. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain par la grâce de Dieu. En we zien elkaar morgen door Gods genade.